l'ennemi présente. Il dessert un cri à 5h15, il est toujours en retard. Il dessert un cri car un kilo comme ton cantina c'est pas bon. On est touché à 5K. C'est bientôt Noël. La 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 la. Car à faire ranger le Père Noël. Il n'aura pas droit à ses cadeaux venus du ciel. Et Ken Boga boit son vin chaud pour être au top sur son vélo. C'est Noël. Ah, ouais. Ah, joyeux Noël laïque à tous. Bien sûr. Formidable. Ah, bonjour. 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 Quel générique formidable tu nous as concocté encore d'horizon. Ça fait ah c'est Square Tune magicien hein, bien sûr. Et surtout bon, la réalité est quand même mieux que l'idée. Oui, oui oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Un peu. Que je t'ajoute, putain. Bon d'horizon, il se passe quoi aujourd'hui? Bienvenue dans ce Rage Quit spécial Noël, on est en compagnie de Pape, c'est moi. Le nouveau Pape de l'anime game français. Putain, j'ai été chercher trop loin. Et ce soir, c'est l'émission spéciale Noël. Karaté est avec nous et nous a ramené le plus beau pull de Noël laïque. Je pense que c'est le joyeux Noël laïque, un hein, classique, vous pouvez retrouver sur guac.shop. Bon, on fera l'unboxing N'hésitez tout pas. À l'heure, en gros plan, avec la cam et tout. N'hésitez pas. Voilà, la laïcité, hein, une valeur de la République qui n'est pas du tout bafouée en ce moment. Qui... La République est à son mieux actuellement. On passe le salam, bien sûr, à Depardieu. Bien sûr. Tout, Pierre Palmade et tout le monde. Ils arrivent comme à bout d'ailleurs. C'est possible. Je pense au générique. Il faut vraiment écouter les paroles de la chanson. De Noël, elles sont incroyables. J'ai hâte de livrer mes cadeaux sur mon vélo. Et ce soir, chers amis, alors, ce soir, c'est le Noël. Et Ken, tu peux nous montrer, tiens, dépasse un peu. On va avoir beaucoup de cadeaux à vous faire gagner dans la seconde. Non, mais montre les trucs, hein, simplement. À vous faire gagner dans la seconde partie de l'émission. Énormément. Hein, Christophe, hein, le grand boss de PDP Gaming Victrix, oui. A fait les choses bien. Il y a énormément de choses à vous faire gagner ce soir. Et en fait, ça sera dans la deuxième partie de l'émission. On oui. vous proposera de jouer pour la première fois contre nous tous à notamment Guilty Gear Strive. Ah ouais, Strive aussi. Granblue. Vent Fantasy versus Rising, sachant que si vous n'avez pas Granblue Fantasy versus Rising, vous pouvez tout de suite aller bah sur oui. PC ou PS4, il y a une version gratuite avec quelques persos qui tournent, mais il y a le perso Shonen, le héros, il y a le Shoto, la graine, il tourne en boucle lui. Oui. Oui, bah donc vous pouvez jouer le Shoto et tu le sais jouer en 2 minutes. De toute façon, il y a des raccourcis machin. Mais et vous venez vous nous affronter dans la deuxième partie de l'émission. Moi, on m'a pas dit qu'on joue à Guilty, hein. C'est quoi ces histoires là? Il y aura aussi, parce qu'on l'avait promis, parce que quand même, les gens, il y a des gens, ils ont que ce jeu. Du Street 6, mais en mode extrême. Oh. Ouais, mais attends, mais on n'aura pas le temps de tout faire. D'horizon, tu vas terminer c'est ton émission à quelle heure Noël, hein. C'est Noël, hein. On finit à 6h du mat. Quoi, frérot? On ouvre les cadeaux. Bah, déjà, Noël, c'est à minuit, on peut pas offrir les cadeaux avant minuit. Oui. Non, mais c'est l'émission qui dure jusqu'à Noël. T'as compris ça, toi? Ah oui, d'accord. Ah bah, bah oui. Ah bah, let's go. Ah oui, Granblue, alors Pat, tu peux nous en parler. Granblue versus Rising, qui est la nouvelle version de Granblue. Ouais. Un jeu sorti pour nous occuper au début du Covid, avant Street 6. Là, il y a la nouvelle version du jeu. Enfin, ouais. On en reparlera tout à l'heure. Mais en gros, pour les gens qui sont là et qui voudraient se préparer pour tout à l'heure, le jeu n'est pas réellement gratuit, mais c'est comme League of Legends. Il est gratuit avec un roster tournant. Oui, c'est ça. En fait, vous avez le jeu de base et vous avez juste un système de rotation sur 3 personnages. Vous avez déjà Gran de base qui est dispo indéfiniment. Et puis derrière, les 3 autres qui vont changer chaque semaine. Donc, si vous avez un petit peu de temps devant vous, bah, chaque semaine, vous pouvez tester 3 nouveaux persos. Sachant que vous avez le mode training en plus de dispo. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur les avec boutons. Avec la frame data. En plus. Bien sûr. Avec mais tu peux jouer online. Et bien sûr. Ah bah, ah bah oui, bah, en plus, en plus, en plus, tu peux jouer online et oui. Tu peux jouer contre les personnes donc, qui ont quand même acheté le jeu. Bien sûr. Donc, moi-même, les mecs qui jouent Gran, qui jouent le Shoto, c'est tout bénef. Oui. Non, ah bah, voilà, jouer Gran le Shoto voilà. Et, c'est un, et ouais. Le jeu, t'as jamais besoin de l'acheter. Ou ceux qui aiment bien changer de perso souvent. Hein. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Après, on a la maladie. Comme Wawa, ouais. Ouais, 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 ils changent tout le temps, ils jouent ouais. Tous les persos. On voilà. Précise que c'est
pas vraiment le jeu de base en fait. Tu as le quoi, le mode, tu peux jouer en ouais, mode. Ouais, je crois que t'as pas le local, mode histoire, t'as pas le mode histoire. Alors, si t'as le mode histoire, mais t'as juste la première c'est ça, partie. C'est la première ouais. partie, d'accord. T'as le mode entraînement. T'as le mode Fall Guys. T'as le mode Fall Guys qui est inclus, tout à fait, très important. Par contre, tu peux débloquer des trucs, mais que jusqu'à un certain niveau. Oui, c'est ça. Voilà, tu peux pas tout débloquer, mais tu peux débloquer quand même des skills, des trucs. Mais par contre, tu peux jouer online si ton but c'est juste jouer online et faire du ladder oui, avec oui, les persos bah là, qui tournent, aucun problème. Ouais, de toute façon, ou faire une opinion juste sur le jeu. Bah moi, ouais, vous pouvez savoir gratuitement si c'est. Et c'est plus qu'une démo, tu vois, c'est vraiment une version free to play. Tu peux jouer online, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et ce qui est, donc voilà, donc après la pause, on passera au, donc on jouera contre les viewers, mais cette fois-ci, il y a donc plus de jeux, sachant que tu seras à chaque fois le dernier boss sur les anime games. Bah, et Christophe, hein, qu'on salue, il est dans le chat, là, il vous a gâté parce que ce soir, il y a beaucoup de trucs, et notamment la fameuse manette. Il y a la manette Vitrix. Hein. Tu nous en parleras parce que tu joues avec cette manette, tu pourras nous l'expliquer en détail. Mais ça, c'est un cadeau de ouf qu'on va vous offrir tout à l'heure. Sauf que maintenant, il faut mériter. Voilà. Mais genre. Vous pouvez gagner parce qu'on sait jamais, genre Ken à Strive, moi Strive j'avais pas joué depuis Vanilla, Grand Blue j'ai pas joué depuis, depuis ouais, Covid. Mais Strive, tu prends Nago, c'est bon, c'est pareil. Non, il paraît. Mais toutes les mises à jour, il paraît qu'ils arrivent pas à le nerfer, oui, c'est ça. Il paraît, c'est comme à Picaos, ça, jusqu'à la fin de sa vie, t'en verras 8 dans le top 8, quoi. C'est vrai. Pauvre pape, ça dit. Alors, bah après, moi, vu que moi je serai le boss de fin, moi je vais être impitoyable. Bah oui, parce que bien sûr, je vous expliquerai donc à ce moment-là les nouvelles règles. Ah bah oui, c'est vrai que tu nous as teasé ça, mais on sait pas du tout ce que c'est. Ah, des nouvelles règles. Oui, alors les nouvelles règles, juste c'est pour le mode contre les viewers. C'est pour, oui, c'est ça. Pour d'accord, avant, okay. Pour la première partie de l'émission, ouais, il y aura peut-être plus de qui tout double, je sais pas quoi, alors ça va être compliqué. Oh là là, il va nous balancer alors, des dingues. C'est... Non, si, mais pas comme avant. Oh la vache. Un stylo. Alors, avant que je réexplique les règles de la première partie de Rage Quit, parce que c'est pas les mêmes dans la deuxième partie de Rage Quit. Les règles de Noël. Est-ce que tu. Aujourd'hui, c'est une émission pour fêter Noël. Ouais. Spécial anime game. C'est quoi les anime games? Bah, en gros, vous prenez un anime connu, vous foutez ça dans un jeu de combat, ça fait un anime game. Voilà, terminé. C'est vrai. Il y a même et il y a même parfois des anigames qui sont des animés qui n'ont pas existé mais ils en ont quand même fait un anigame sur un truc qui n'existait pas, tu vois. Donc et des fois l'animé vient après. Voilà. Oui, il y a ça aussi Par exemple, est-ce que vous considérez Arcana Heart comme un anigame? Question, est-ce que vous considérez Aquapazza comme un anigame? Moi, dès que ça a Herdash, pour moi, c'est anime. Ah, voilà, là on parle. Mais pourtant, Grand Blue, c'est un anime game. Mais il n'y a pas de Herdash. Mais il y a des entières. Oui, il y a des entières. Oui, oui, même dans des Herdash, t'as des entières. Ça reste la base. Ouais. Sauf si le coup fait entière. Sauf là, c'est pas un entière. Bon, donc, c'est quoi la différence? Pour finir là-dessus, avant d'avancer, entre le bon et le mauvais anime game. Ah non, c'est tout les animes, c'est mes games, c'est de la merde, hein, globalement. Ah bon? Ah ouais, toi direct, tu veux un coup de couteau, quoi. Ok. Globalement, c'est tous des xogés, hein, j'en connais pas un seul qui soit pas un xogé. Ah, mais citez-moi un. Guilty Gear, c'est pas un anime, c'est pas un anime. Grand Blue, alors. Anime game, ça veut un peu rien dire, en vrai. C'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est juste une catégorie hyper large de jeux. C'est juste les gens qui jouent qu'à Street. Bah, Fighter, c'est pas un xogé. Dragon Ball Fighters. Bah, c'est un anime game. Un peu. Ouais, c'est ça. Tu veux vraiment qu'on rentre dans ce débat? Mais c'est... moi, je pense que c'est les gens qui se disent joueurs de jeux de combat, mais en fait, qui jouent qu'à Street, qu'ils ont appelé les restes. Ouais, voilà, c'est ça. Regarde, maintenant que Smash Bros. C'est un film d'animation, est-ce que Smash Bros. Est un anime game, du coup? Ça, c'est vrai débat, ça. Et regarde, puisqu'il y a des dessins animés, Fatal Fury, est-ce que Fatal Fury, c'est du coup... Il y a un anime Tekken, au moment où il y a Steve... Oui, c'est vrai, maintenant, Tekken, c'est un anime game, vu qu'il a le droit à son anime. Grand Blue, ils ont fait un anime, je crois. Je sais qu'il y avait le manga. Ouais. Mais il n'y a pas des animés Mortal Kombat? C'est sûr que ça existe, ça. Bah, bien sûr. C'est un anime game, alors. Les animés games, c'est plus les jeux qui ressemblent à des animés. Mais oui, pas c'est forcément ça. Des ouais, animés. C'est ça. Non, en fait, les animés. Vampire Savior, c'est un animé. Non, ça ressemble pas à un animé. Bon, à ce moment-là, Street Fighter Alpha, ça ressemble à un animé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le vieux débat. Non, c'est. En fait, c'est dès que c'est un Street Fighter, mais où on s'amuse, là, c'est un animé game. En vrai, c'est quoi pour vous le premier? C'est vraiment l'amusement. C'est quoi dès pour vous? Dès que c'est un jeu un peu fun, c'est animé game. Le premier anigame. Oh, le premier, la vache. Ça serait quoi? Ah, bah si, il y a Sailor Moon. Oui. Il y a Sailor Moon. En fait, c'est toute la génération Super Nintendo avec les jeux. Tortue Ninja. Les jeux, ouais, Tortue Ninja, Ranma, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, en fait.
C'est ça les premiers Anigame, je pense. C'est la génération 1. Et ensuite, après, sur PlayStation, bah, y en a eu tellement, parce que t'as eu les adaptations de Gundam. Oui, de toute façon, les soi-disant pas anime game finissent toujours par voler des mécaniques d'anime game. Donc, de ouf. Donc au final, ça veut pas rien dire, c'est un terme. Oui, ça permet de tout englober. Moi, à la base, les gens qui disent anime game, c'est juste les joueurs de street qui jouent Castrit, quoi, tu vois. Mais c'est faux, parce que Guilty, moi, je le considère pas comme un anime game, tu vois, bah non. Ah, moi je suis 100% anime game, moi, tu vois, parce que moi ça vient de Guilty, ils ont fait des animations comme en 2D avec des modèles 3D et tout. Je me dis, moi pour moi c'est un anime game, et puis il y a des RDash. Ouais, mais si tu fais un RDash à ce moment-là, tu vois, Marvel versus Capcom, ça. Oui, voilà, tu vois. C'est pour ça que la catégorie elle est très. Il y en a tellement bizarre. Des jeux avec des RDash. Bientôt Street il en aura, on sait pas. Hein. Ouais, tout vampire a des RDash. Ouais, bientôt Street, Drive Rush aérien, on l'attend dans la prochaine mise à jour. C'est sûr, hein. C'est cramé. Ils rajoutent ça et le pari en l'air. Ça fait 1000 ans qu'ils veulent faire Vampire Savior sur Street Fighter. Là, ils sont à deux doigts d'y arriver, donc c'est parti. Hein. C'est parti. Mais ouais, c'est difficile de définir un peu ce qu'est un anime. C'est Fighting Masters qui a tout créé. Ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Ouais. C'est un anime game, du coup. Bah, bien sûr. Je pense que l'anime arrive. Je suis en train de le crowdfonder. Alors, ce soir, donc, la première partie de l'émission est consacrée aux anime games. Et dans la première partie, on va jouer au rétro anime game. Bien sûr. Et donc, pour les faire un peu découvrir à Pape, qui représente, pas comme nous qui sommes les anciens croutons, qui représente la nouvelle génération de joueurs et de casteurs, notamment d'anime game, du coup, on va te faire découvrir des petites perles de notre enfance du dessin animé. Malheureusement pour toi, Pape, tu joues en équipe avec moi, contre Ken. Et Karaté qui joue ensemble, c'est Noël. Non, c'est un bon pic d'horizon en vrai. Il est surprenant, tu verras. Il est surprenant. Ah, il connaît un peu. Hein. Ouais. Bon, le meilleur pic c'est Karaté, mais je suis content. C'est garanti. Moi j'aurais voulu jouer avec Pape. Hein. Oh, pour une fois qu'on est ensemble. En plus, on a des vrais pulls de Noël et tout. Et que moi, je m'en fous. Ouais, toi t'es l'invité. Oui, c'est pour te. Bien sûr. Donc les règles, tu les connais, Pape, les règles? Pas du tout. Dis-moi tout. Merde. Il va falloir répéter les règles. Les cheveux de Noël. Alors, les cheveux comme de Noël. Tu vois, on joue en équipe et il y a un score qui est indiqué. Ah, à chaque fois, on fait des défis en équipe et les défis en équipe, c'est du FT1 Winner Stays On. Ok, d'accord. Voilà. Quel que soit le jeu, on sait que des jeux de baston pourris. Et la particularité, c'est que si à un moment, on sent que dans l'autre équipe, ça rage un peu, quelle que soit la raison, on peut invoquer le rage quit. Mm-hmm. Si le public vote dans notre sens, on prend 3 points. Donc tu peux gagner juste en faisant rager les autres. Ah oui! Mais si tu rages, ils peuvent invoquer le rage quit contre nous. Sachant que pour gagner, il ne suffit pas de rager ou de ne pas vraiment rager, il faut avoir une plus grosse audience. Parce que c'est pratique pour les votes. Donc c'est pour ça que tu n'es pas dans la bonne équipe aussi, hein, ça va être difficile. Alors, donc ça c'est les règles. Bah c'était simple, non les gars? Ah oui, il y a un jeu bonus. Attends, je mets l'alarme pour le jeu bonus. On a un jeu bonus, alors il tombe tôt ce soir parce que bien évidemment, ce soir on va essayer d'arriver plus puisqu'il y a beaucoup plus de jeux dans la deuxième partie de l'émission. Donc à 22h pile, ça sonne, ça veut dire qu'on fera le dernier jeu juste derrière. Ok. Et le jeu bonus, je vous garde la surprise, mais c'est évidemment un rétro anime game. Voilà, alors dans le rétro anime game, on va un peu regarder la liste, hein, mais vous allez voir qu'elle est tout à fait cohérente parce que, évidemment, tout est tout à fait légitime. Regarde cette liste. Au couteau no Ken 7, on avait joué au 6 avec Yamato, mais là c'est le 7. Ok, ça je connais. Mighty Morphin Power Rangers, parce que finalement, alors c'est pas de l'anime, mais Power Rangers c'est quand même. C'est Saiban, c'est la culture des mangas. Ouais, bah, en vrai, le dernier, il est considéré comme anime game, hein, Battle of the Grid. Hein. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Godzilla, parce que c'est japonais, c'est un manga. Hein, c'est un mec qui est concours, tu sais. Ouais, c'est vrai. Non, mais parce que c'est rigolo. Anan Okage, évidemment, c'est par le même auteur que Okuto no Ken. Ouais, t'as pris des trucs mystiques quand même. Super Bikiriman, c'est un anime, à la base, c'est un anime de la fin des années 80. Je connais très bien, je connais tout. Dragon Ball Z, Super Butoden. Et bien sûr, le fantastique Bastard. Ah ouais, ça va loin. Ouais. Qui a, Bastard qui, du coup, a inspiré Guilty Gear. Bastard, par contre, on joue on en tombe sur nos pattes. Parce que... Ouais, alors il y a certains jeux, je précise, certains jeux, genre Ken 7 et Butoden, ça sera juste un joueur. Hein, parce que sinon, on va aller dormir. C'est vrai, y a pas Jojo. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas Jojo. Ça dépend des jeux, ça dépend, je vous le dirai avant. Jojo, le jeu est bien, ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est pas trop rétro, tu parles ou alors après on se dit un champion par jeu, comme ça on les voit tous, c'est peut-être plus sympa. Quoi?
Comment ça? Au lieu de faire toi à chaque fois 2 contre 2, on fait 1 contre 1 à chaque jeu, et comme ça on voit plus de jeux. Ah, nouvelle règle? Oui, ouais, bien sûr. Nouvelle règle. Là comme ça. Nouvelle règle. Dans l'instant, les gars, vous venez d'assister on verra, à un moment, une fulgurance. Moi, si je, ça, ça je peux rentrer avant 3h du matin d'Horizon, ça m'arrangerait vraiment. Et bah voilà, quand tu même. Vois. Bah donc, vaut mieux, on choisit, ouais. À chaque fois, on choisit un champion qui y va. Vas-y, let's go. Bon, allez, mais il y a des jeux qui vont vite. Hein. Ah, bah pas pour les jeux qui vont vite alors. Ok, on a rechangé. Ah, donc il a déjà diphtong. Oh là là, la nouvelle, nouvelle règle. Ouais, c'est ça. Il a changé la nouvelle règle en une autre nouvelle. Ah, bah super. Putain, c'est incroyable. Bah, joyeux Noël, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, il y a un jeu. Ouais. Il y a un jeu de combat bastard. Bon, on va le voir peut-être tout de suite. Bon, ah, bah ouais. Ok, let's go. Bon, là, ah, par, ouais, là par contre, on joue pas en deux, hein, les frères. C'est parce que c'est aussi long. Ouais. Ah, ouais, ouais, là, c'est très très long. Tu sais jouer là. Je sais jouer, je connais le principe, mais j'ai jamais compris comment tu touchais l'adversaire dans ce jeu, en fait. Ah, oula, c'est concept. Parce que tu veux toucher, c'est peut-être ça ton problème. Ouais. T'es un peu trop tactile, toi, ouais, ouais. Alors, est-ce que voilà, tu es, c'est un, pas, est-ce c'est que un tu un es jeu, familier faut... de la série Bastard? Il faut, ah, faut intuiter, quoi. Moi, je suis un, moi, Ken, je suis un karaté, vous pouvez lui expliquer Bastard? Ah, bah, karaté, bah, vas-y. C'est un manga où le héros, il est badass. Voilà, et il est méchant. Comme beaucoup de mangas, on dirait. Le héros, c'est le méchant. Y'a quoi? Le personnage principal du manga, c'est le méchant du manga. Ok. Tu pouvais nous passer le pan de marron, je vais voir qui est PA. Donc, ouais, c'est vraiment des armées de démons modifiés par. Enfin, manipulées par des magiciens, pas, et les magiciens se tapent. C'est pas un truc de. C'est un jeu. Dark fantasy dans le futur. Mais, c'est, mais spoil pas! C'est pas ça? Mais c'est un reveal à la fin du premier acte de 14 tomes. Ah ouais? Ah bon? Mais tout le monde sait ça. Bah, pour moi, c'est de base. C'est Bastard. Ouais, 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 c'est de base. C'est juste que, alors, c'est très bien jusqu'au 14e tome à peu près, et après, on va dire que l'auteur s'est un peu perdu dans les tréfonds de l'existence. L'univers. Ouais, c'est... Alors, je vais juste voir. Et il est toujours en cours, non, je crois. Oui, oui, oui. Quelque part. Mais personne, enfin, c'est, ça fait longtemps qu'on personne n'attend la fin, mais... Je te laisse déguster. Bon courage. Ah, je... C'est moi bon, qui... En fait, tu utilises les 4 boutons de bonne je chance. Ah, attends, 4 boutons et bonne chance. Ouais, parce que moi, je vas-y, un prends ah ouais. qui tu veux, qui t'inspire, ouais. Je te laisse. Il n'y a pas un mode aléatoire, si, hein, si on s'en fiche. Vas-y, let's go. On va donner un nombre entre 1 et 6. Ah, il a l'air bien celui-là avec les tentacules, là. Non, c'est quoi qu'il fallait jouer, là, qui fait les boules à la con? Moi, j'aime bien les trucs cons, moi. Donnez-moi un truc con. Il y a un vampire. Ah, les tentacules. J'ai un Abigail, moi. Ah ouais? Abigail. Bon, tu vas bon, voir, c'est mystique. Hein. Donc, globalement, on vole, on est à. Des... Ah, je crois que je me suis trompé de bouton à tous les coups. La base. Faut appuyer sur Start, je pense. Ou rond. Ou rond, peut-être, ouais, je pense. Yes. Diamant. Le diamant. Ok, c'est bon. Push Start. Let's go, ouais, bonne chance, pap. Bonne chance. Donc c'est un simulateur de vol. D'accord. Et bah wow. tu dois tirer des boules de feu comme tu peux. En fait, chaque coup, c'est un peu un coup spécial, tu vois. OK. Mais c'est téléporto. Téléporto. C'est un peu... basé. Oh, le gars en calbut là, il est incroyable. Enfin, il est nu ou il est habillé le diamant. Pouah, mais c'est magnifique comme jeu. Eh ouais, Tiamo quoi. Ah ouais, mais moi j'en connaissais un autre de Bastard, y'en a pas un autre plus Cacto? Non, c'est celui-là qui est, ah, le... celui-là qui est le main, ouais. Ah, je dois confondre alors avec... Et d'accord. Voilà, et pour se toucher, c'est l'enfer. Ah bah ça, oui, tu m'étonnes. Bon, moi, Ah, mais tu lui envoies des cerveaux, là. Moi, je sais pas ce que j'envoie, c'est des sortes de petites boules, là. Je crois qu'on gagne. Ah ouais? Ah non, c'est serré, hein. Qui joue qui? Moi je joue Tentaculman. Ah ouais c'est ça, moi je suis Sudi. Ah, faut savoir que la règle c'est que c'est en 8 gagnants. Hein. 8 matchs gagnants c'est la base. Hein. Ah, je vous avais dit que ça pouvait être très long hein, ce jeu. Oh là là. Et notez fait... dans Radoteur saison 1 pour 900 yens. Hein. Y'a pas d'autres coups? Bah non, moi je fais que. Non, bah, non, j'appuie moi sur les 4 boutons et ça fait la même chose. En fait, après, il y a des combinaisons de. Ah ouais, attends. Il y a des combinaisons de coups. Ouais, t'as fait un petit couvrier là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas. Ah ça ouais. Fait toujours le même couvrier, tu vois. Hop, je me mets juste ici, puis après, hop. On voit oh, les pelotes de chat là. J'arrive pas à le toucher avec. Ah, mais on voit les tentacules sinon. Mais normalement, il y a au missile et tout. Tu sais, c'est censé le toucher quand je passe de l'autre côté, mais ah y'a ouais, rien à faire. Y a un gameplay incroyable. On essaye, hein. C'est la dernière mise à jour, ça. Avec tous les buffs, là, nouvelle saison et tout. Bah oui. Ah ouais. T'as concept. T'as pas acheté les DLC, là. Ah bah non, crois, hein. Ah, c'est peut-être que la free edition. En fait, c'est quasiment... c'est pour ça. Putain, mais c'est incroyable. Moi, bon, ça va, j'ai un bouton, ça va directement vers l'ennemi, donc j'ai juste à appuyer. Puis ouais, faire, moi, j'ai des boules qui vont dans tous les sens en fonction de, ouais, du bouton que j'appuie. Toi, tu dois lire les mouvements adverses. Frérot, ouais, c'est ça. Impossible de le toucher. C'est le perso de skill, en fait. En plus, il esquive vachement bien, je trouve.
Franchement, on sent le spécialiste animé game. T'as vu ça un peu, il se fait pas toucher. J'arrive même pas. Il tue avec ses gambettes là, ouais, qui s'écarte là, il est trop stylé le père. Et j'arrive pas à toucher, c'est abusé. Ah, c'est prochain artwork sur le stick ça. Regarde, t'as vu mes trucs. Le diamant. On va aller commander un artiste, on va mettre mon joli pseudo dessus. C'est pour faire genre. Top diamant Europe. Déjà master sur le jeu. Pou. Voire même légende. Ah, c'est abusé comment j'arrive pas à te toucher, frérot, c'est chaud. Pourtant, je tente le toups pour le toups, hein, mais. Ouais. Ah, là c'est bon, là je suis obligé de changer parce qu'après ça fait des vrilles un peu bizarres. Ah, c'est bon, regarde. Ah là là là. C'est bon, j'ai trouvé l'autre bouton. Ah, yeah, en fait, c'est pas qu'ils sont omis, c'est qu'en fait j'ai un bouton qui touche en bas, j'ai un bouton qui touche en haut et j'ai d'autres qui font des vrilles et tout. Ouais, mais c'est ça, chaque bouton fait un coup spécial différent. Ah ouais, c'est technique. Ouais, mais il y a des coups spéciaux, hein. Ah ouais? Oui, il y a des coups spéciaux dans le jeu. C'est tenter des mamies. Mais c'est des 3 quarts ronds, je sais pas quoi. C'est pas avant-avant ou baba ou des conneries comme ça. J'essaie tout là, mais. Ouais, moi j'essaie des trucs pendant que je vois. Un bouton, tu vois, des conneries. C'est pas des mamies classiques, mais tu vois, je n'arrive absolument pas à le toucher, peu importe où je tire. Gauche, droite, un bouton. Ouais, c'est des trucs comme ça. Ouais, peut-être des trucs. Mais là, à chaque fois, je me fais toucher. Oh, c'est les portes. En fait, le téléport est archi beau, gosse, par contre. Terrible à quel point. Le Abigail, un chant et. Ah, c'est celui qui est dans Street 5 après. C'est le même. Ouais, c'est ça, c'est le même. Ouais. D'accord. Il a bien changé après, par contre. Hein. Ouais, il s'est mis au pneu parce que là, les pelotes de chat, là. Impossible de ouais, tout toucher. Ouais, faut gagner en charisme au bout d'un moment. Je n'arrive absolument pas à faire quoi que ce soit. Il ressemble un peu au. C'est lequel, là, le slime qui a des tentacules comme ça. Oh, mon perso, mais par contre, il est garanti. J'appuie sur un bouton, mais ça fait tout le café. Le Medigluant, le fameux. Le salam à Medigluant. Ah bah GG, t'as gagné. C'est pas sûr, ouais. Hein. Ah, si. Okay, okay. Impossible de te toucher. Que le premier round. Aucune. Non, c'est que le premier round. C'est que le premier round. Aucune attaque ne te touche. Ah, il y a un deuxième round. Vas-y, un deuxième round. Vas-y, je passe la manette au deuxième round. Je n'ai jamais trouvé le moindre truc. Bon, ça va, quand même. Vraiment, j'ai pris le perso le plus garanti, ça c'est bien. Ouais, toi t'as full homing missing. Par contre, tu peux pas voler, toi. Non, mais j'ai un double saut. Je peux faire des doubles sauts si je veux. Mais ça sort une fois sur deux. Et avec elle, vous changez de plan du coup. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Mm. C'est-à-dire que moi aussi. Ah ouais. Ouais, toi aussi, tu peux esquiver comme ça et ça peut rendre fou, tu vois. Ah ouais. Donc c'est vraiment un combat de magicien. Hein. Mais j'arrive pas à. Attends. Ah ouais, c'est magique. Attends, on a peut-être le temps de trouver un coup spécial. Ah vas-y. Ouais, vas-y, hein, parce que là. Là, on fait la trilogie du Hobbit en live. Ah là. Version jeu de combat. Ah ouais, mais il y a un recovery sur la TP. Ouais, bah ouais. Moi j'ai déjà compris la matrice. Ah ouais. Moi j'ai juste à faire des petits mouvements là pour esquiver tous les frochons. Bah ouais, c'est ça, mais. Et enfin, franchement. Bien vu ça. Comme ça, c'est à moi. Laisse tomber le jeu, il est tellement inconnu. Ils sont butés à ça, tu vois. C'est terrible, hein. Ok. Le jeu il est tellement long qu'il y a même plus de son, c'est trop bien. J'avoue, c'est d'horizon, il nous coupe le son. En fait, non, on avait un problème sur la capture du son. Mmh. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que je vais pas mettre la télé, parce que ça perturbe le truc. Oh, mais quel bon Let's jeu. Let's go. Mais c'est le son, regarde, t'as vu le son du jeu? Je suis à 20, là, sur l'écran. À une époque, on savait faire des jeux, bordel. Ah ouais, là, on c'est est... C'est pas comme maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'était mieux avant. Ah, y'a quelqu'un qui dit L, side switch, R, spécial CX, fire a shot, whisker, vocal, Y. Fire the shot with curves left A. Oui, oui, non, mais c'est ouais, ça. C'est ça ouais, je c'est te dis, ça. Ça fait une curve à chaque fois ouais, ça différente, curve, mais ça touche jamais. Mais vous en êtes où, en fait, il s'est passé quoi? Bah, j'ai gagné le premier round. Ah, mais c'est bien ça. Bah ouais. Mais voilà, je vous ai dit, c'est le jeu des animés, games, tout ça. L'âge d'or du jeu vidéo. C'est impossible de toucher en plus. Ah, l'âge d'or, on dort bien là. Hein. Bah, j'ai l'âge d'or bouton. Du jeu vidéo, ouais. La notice en live. est-ce que vous êtes content d'être venu sur ce stream bien sûr. Voir ça? Bien sûr, bah tant que Noël. Est-ce que t'es content d'être là bah, pour bien de, sûr. De jouer à ce jeu? Est-ce que ça va t'inciter à découvrir le manga? Mais le début du manga est ouf. Et en fait, les persos, ils font des attaques, ils font Megadeth. Tu vois, ils crient des noms de groupes de Zik. Et il y a le royaume de Metallicana, tu vois, des trucs comme ça. Bah, c'est pour ça que ça a inspiré Guilty. Hein, bah, bien sûr, le jeu qui a inspiré Guilty. Ah ouais, putain, là non, je vois vraiment le... Et au début des années 90, il y a des OAV qui sont sortis qui racontent le début du manga. Et il y a eu un remake sur Netflix, il y a un remix pourri sur Netflix. Attends, on va tester un. Non, ça fait des curves, ok. Tu vois, hold R, then A. Mais il triche, tu le. C'est quand tu hold R, tu le qu'on passe à un autre show. Fais quelque chose. Bah j'essaye, hein. Mais il y a la spéciale, fais la spéciale. Mais c'est quoi la spéciale? Je sais pas, juste fais-la. D'accord.
Attends, on va tester des combinaisons. Pour l'instant, ça marche pas. Si je change de plan, que j'appuie sur les boutons, ça fait rien. Mais c'est pas grave. Enfin, balance. Il faut vraiment. En fait, il faut que tu fasses les mouvements dans l'ordre. Tu vois, si tu fais. Ah oui. Faut que tu fasses des mouvements dans l'ordre. Tu fais des fausses. Je me rappelle maintenant. Faut faire des combines. En fait, c'est t'as l'ordre des boutons. Tu fais genre X, Y, A, B. Tu vois, tu fais des trucs comme ça. D'accord. Tu laisses R maintenu et tu fais 3. Et en appuyant en même temps sur R. En appuyant en même temps sur les. Tu sais, le R. Tu vois. Attends, sur le R. Ah oui, ouais, attends. Tu maintiens R et tu fais tes trucs. Ah oui, attends, on va tester les trucs. Pour l'instant, il se passe rien. Pour l'instant, il se passe rien. Il va sortir un coup spécial. T'as vu ? Non, mais c'est pas grave. Tu fais ce que tu faisais, les bâtons. Tu laisses R appuyer et en fait, tu fais une combinaison de 3 touches. Ah, c'est 3 touches ? Ouais, c'est 3 touches. Alors, en fait, il faut appuyer les 3 en même temps. Non, faut faire l'un après l'autre. Tu vois, par exemple, tu fais là sur ta manette Xbox, tu maintiens R et tu fais Y, voilà, Y à Y. Ou Y à Y. Y à Y, vas-y, essaye. Mais si, regarde, tu fais le truc. Non, mais c'est pas moi ça. Ah bon ? Moi, je suis Mnacofort. Alors, fais le truc, j'ai fait un coup spécial. Et tu lâches le R, normalement, ça sort le coup spécial. Vas-y. Et sans ça. On va appuyer sur les boutons, hein, s'en fout. Sans ça, avec l'attaque de base, c'est compliqué, quoi. Putain, mais c'est. En plus, sauter juste avec le mimi. Voilà, comme ça, mais ça sert à rien parce que c'est trop. C'est trop léger. Hein. Bravo, tonton. Bah regarde, t'as la commande, elle est là. Hein. Ah, s'il vous plaît, finissez là. Hein. Je veux pas un autre round. Hein. Quoi qu'il se passe dans la vie, faites quelque chose, les gars. Voilà, ça va être difficile de rattraper. Tu fais R et ensuite, après, tu fais bouton du haut, bouton du bas, bouton de droite et tu lâches. Mm-hmm. Et je suis sûr que ça écoute, va faire mais un peu. Moi, j'appuie sur bouton. Hein. Attends, on va changer de plan pour changer un peu le game. Oh, t'es la chopé. Oh, oh j'ai susurré le sang. Il se passait quoi voilà. En fait, en gros, j'ai changé le plan et ça a touché et ça a fait des dégâts. Ah, bah voilà. Bien joué. Et là, troisième round. Ah bah non, c'est bon, ça je suis peur. Ça sent les techniques interdites. Ouais, GG. On les découvre hein, après. Hein. Peut-être j'ai pris le mauvais perso. Oui. Vas-y, rappuie sur le bouton, là, juste, je veux tester si les coups spéciaux marchent quand même. Ma curiosité. Pendant qu'on refait la roulette. Ouais, je suis curieux. Est-ce que c'est pas chez d'avant Tu fais bah, R, un bouton, t'as gagné. Tac, hein. Tac, tac, et tu lâches. R, tac, 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 et tu lâches. R, ouais. Tac, tac, tac. Non, ça marche pas. Il passe des trucs en mode ouais, c'est bon, je connais. Non, mais... Je connais la. Non, tu te déplaces je connais le kung fu. R, mais tu peux pas tirer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à partir de ça. Mais moi, j'essaye des rues. Mais en fait, il y a un timing. Mais ah, c'est que des just frames. Hein. Est-ce que des tournois là-dessus, ça serait cool? Non. Ah bah, ce serait sur une semaine du coup alors. Une semaine. En FT20. Voilà, en FT20, triple élimination direct. Non, en vrai, c'est en FT2, tu fais ça sur une semaine avec 24 joueurs et c'est bon, on se fera dans les temps. Voilà. Donc, ça, à l'époque, je l'avais acheté 690 francs chez Ultima. Vous voir Voltaire, il m'avait vendu ça comme le meilleur jeu de combat de l'histoire et j'étais naïf. Ah, mais là, c'est vraiment. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. Et après, j'ai dû aller le revendre à un gars plus cher. En lui faisant croire que c'était le renouveau de déjà. Ouais, c'est ça. Non, mais parce qu'à cette époque-là, tu sais, t'avais c'est les autres. C'est un peu le belle histoire du Bitcoin, ce que tu nous racontes là. J'avoue. L'histoire des images. Oh merde. Des images avant. Mais non, parce qu'en fait, à cette époque-là, il y avait l'anime qui était sorti de Bastard, qui est sympa d'ailleurs, pas sur Netflix, hein, le premier anime de Bastard, et c'était 100 fois plus violent que tout ce que tu avais au Club Dorothée. Et donc j'avais été voir le gars, je lui dis, je te vends la VHS, qui était une copie, oh, tu vois, en NTSC noir et blanc pour lui, il a fait un truc. Avec le jeu. Et la VHS, je lui ai dit, je te fais un prix de 990 francs, la VHS et faire, le jeu. Moi je l'ai fait en machin, tu vois. Ouais, j'ai réussi un coup spécial. C'est vraiment technique, mais... Bon, on passe à autre chose, peut-être. J'ai fait la même manie, mais pour faire sur les côtés. Ouais. Tu vois ? Mais j'arrive pas. Bon, bon, j'essaye des trucs, hein, mais. On va passer à autre chose. De jouer. Beau jeu, hein. Très beau jeu. Très, très, très bien. On va passer à autre chose. Je suis dans mon élément, tout va bien. Il est tellement bien le jeu qu'il fait même pas rager au final. Ouais, c'est ça. Parce que t'es tellement content d'y jouer. Tellement content que ça s'arrête. Mais le pire, c'est que là, Ken, il est en train de laber, hein. Là il teste des trucs, bah là, il est à fond en truc. Hein, la prochaine fois, faut pas la commande mettre ce jeu. Bon, écoute, toujours est-il que. Moi, j'en suis à faire celui-là qui. Merci. Ouais, de rien. Bien joué. J'ai fait un truc. Alors, oui, c'est ça le mind game, soit tu fais latéral ou soit. Ouais, c'est ça, tu fais latéral et tout. Mais après, mon perso, c'est les projets, ils sont tellement rapides que moi, ça touche direct, j'ai même pas besoin d'anticiper. Ah, oui, t'as senti le potentiel. Hein. C'est le joueur de Slayer, c'est le vampire. Bien vu. Ouais, j'ai tenté. C'est mort. Ça fait des bons trucs. On est bien, hein. C'est mort, bastard, quoi. Ouais, est-ce que vous allez courir l'acheter du coup? Bah, moi, je l'ai. Ah ouais. Je l'ai le jeu en original. La boîte est vachement belle. Ouais, hein. Magnifique. Mais ouais, après, faut pas le sortir hein, de la boîte. Là où hein. Si j'achète les embrouilles. Hein.
Ah, c'est trop mystique. Vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce que tu nous réserves? Godzilla? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, ça, ça va. Ça, c'est chiant. Ça, c'est un bon jeu, ça. Ouais, c'est... Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Moi, je peux vous en dire que j'ai vu Godzilla Minus One. C'était... Ça avait l'air craqué. Extraordinaire. Putain, ah ouais, c'est vraiment bien. Ouais, à pâté beau Grenelle. Ouais, il est pas resté longtemps. Deux jours. Oh, les bâtards. Fallait avoir la frame, c'est tout. Deux jours. La séance, 30 euros. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, non, mais vraiment. Même pas de mensonge. Tu de lit comprise ou... Ah, beau Grenelle, ça va. Ça se fait bien quand même. Ouais, c'est là. Ah ouais. Tu sais, t'as les sièges où tu t'allonges, t'es bien. T'as le chipotelé en plus. Ouais. Et le Haagen-Dazs. T'es très bien. Ah oui. Alors, est-ce que. Attends, Ken, tu peux nous parler un petit peu de ce jeu? Oui. Karaté, parlez-nous. On va manger la place de Sima, connais-nous trop cher. C'est un jeu de combat avec des kaiju. Mais il y a Godzilla dedans. Mais oui, c'est bien, du coup. Non. D'accord. Ah bon? En fait, craqué, l'OST est craqué. Ouais, mais faut savoir comparer à celui-là. L'OST, elle est pétée. Il y a deux mix-up de trucs de kaiju là, avant que King of Monsters fasse un vrai jeu. C'est Godzilla et Ultraman. Et Ultraman, on est sorti une tétrachier d'Ultraman. Moi, je parlais du film. Toi, tu parles du jeu. Oui, non, mais le jeu est craqué de ouf. Le film est craqué. Oui, bah oui, l'OST dans le film, elle est incroyable. Non, mais l'OST, le jeu d'acteur, la mise en scène. Mao, il est parti le voir. Ah ouais? Non, j'ai vu tout seul. Mais trop bien. Alpha System. Mais le jeu, il y a aussi une version GameCube. On jouait sur GameCube. Après, il est sorti en GameCube. Il est sorti en GameCube et c'est un des premiers jeux Dreamcast, Godzilla. Et on pouvait jouer à 4, c'était incroyable. Yep. Après, là, c'est plus un jeu où ça détruit. Bon, là, les matchs vont vite, donc... Godzilla, je l'ai, celui-là, j'ai l'original. Ok, faut que j'appuie sur Start, très bien. Pourquoi? Non, là, j'ai pas l'impression qu'il fallait que j'appuie sur Start. Enfin, en tout cas, il y a écran noir, donc... Le jeu est très bon, très bon. Le jeu est bon, il y a donc plein là, de... on peut tous les deux jouer, du coup. Oui, oui, carrément, c'est rapide, il y a des kaijus. Ah, vous m'avez donné vraiment les pires jeux, quoi. En vrai, il y a deux attaques, ça va aller. Anime game égale jeu de merde, finalement. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne définition. Tu vois, regardez comme il y a plein de kaijus, il y a Mega Godzilla, il y a Megalo, il y a Biolante, il y a Mosla, ouais, il est là. Tu as raison, c'est ton main. Choisis ouais, c'est ton main. Je crois qu'il faut que tu choisisses pour qu'on choisisse. Il y a le deuxième, il y a G7 Mega Godzilla, punaise. Il y a Kaigan. Ah ouais, t'as joué Kaigan, ouais, ça joue craqué. Évidemment. Prends le Gookie du jeu. King Ghidra. Ouais, c'est le Gookie. C'est qui lui? C'est l'Hydre à deux têtes, je l'aime pas trop. Ouais, est-ce qu'on prendrait pas Godzilla ou Mecha Godzilla, quoi? J'avoue, un petit Mecha Godzilla. C'est lequel qui est à. Tu sais, où il avait son hôtel là, à côté là? C'est lui. C'est celui-là? Ah bah oui, c'est l'original. C'est l'original. Ouais. Vas-y, je prends lui. Et je fais Start. Là. Tout à fait, c'est eh bien, ça s'appelle la Godzilla Street hein, d'ailleurs. T'as pris qui toi? Akabukicho. Bah, j'ai déjà sélectionné de base, donc on va. Ah non, mais il a pas pu choisir. Oh, mais t'inquiète, c'est bon. Ok. On va tenter des trucs. Écoutez, on va quand même pas s'en sortir. Ouais, vrai jeu de combat, voilà. Ok. C'est tout, point final. Oh, par contre les. Ok, j'ai trouvé un bouton qui a l'air pas mal. Je saute. Hein? Oh, regarde, tu l'as. Ah bon. Ça a l'air d'être valeur sûre, ça, le laser. Ok, j'ai un bouton dash, je saute. Ah ouais, mais il y a une jauge de mana. Oui, ouais. Bien sûr. Ah bah oui. Ah bah oui. Comme dans la vraie vie. Vas-y, n'oublie pas, t'es invincible à ce jeu, pas. Tu le sais pas encore, mais t'es invincible. Ouais, bah j'essaye. C'est bon. Oh, allez, patate de foin. Ouais, ne varie pas. Ok, il y a un peu de grade quand même, donc. Avec ces petits grochers là. Ah ouais, c'est Ferrero Grocher. Il y a du cac, lui. Ça, c'est l'infini dans le coin, c'est l'infini dans le coin. Non, l'infini. Ah ouais, ça note les haïs. C'est oh oui! Oh, aïe. Dans le cal, bien vu. Mecha Godzilla! Moi j'ai une chop spé, moi. C'est un zoneur contre un chopper. Ça va être marrant ça comme matchup. T'as une chop spé? Ouais, c'est sur un bouton. Ça a l'air, hein, ça a l'air d'être. Faut juste trouver la bonne occasion. Bah voilà, ah ouais, bah ça aussi alors. En fait, c'est le bouton chop, voilà. C'est quoi? Ah ouais, et ensuite il faut mixer. Oh là, c'est après, j'ai appuyé très fort sur le bouton. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Oh là là, Phoenix, oh, le Link Just Fray. Okay. Voilà, ça c'est bien. Ah, il a trouvé un laser. Oh, oui, je l'ai dans les airs. Oh là là, c'est terminé. C'est terminé, il y a un laser. C'est tellement mind game. Tiger Shot. Hop, Tiger Shot. Ah oui. C'est bon, j'ai appuyé sur les boutons, j'ai mâché. J'ai mâché. J'ai mâché Timal. Je saute. Hop. Oh, il a eu le temps. Ah bon. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là.
Oh, oh puis aura du sol. Oh là là, en Tiger King. Les vraies techniques. Oh, oh là là. Alors que moi j'ai des dash. Lui il a des trucs pour s'enfuir, moi j'ai juste des petits dash tout mignons. Ah, ah ouais. Oh, ah. Le zoning. Oh, il était beau, il était beau. Gros jeu hein. Ah, méga Godzilla quand même hein. C'est qui le meilleur? Le jeu est bien. Et les gars, c'est quoi le c'est qui le meilleur perso du jeu? J'en sais rien du tout. Mais toi, tu l'as le jeu, Berdier. Je prends pas la. Non, j'ai pas Godzilla. Prends pas la. T'as pas le jeu? Non. Mais t'as tous les jeux de baston hein, sur. Ouais, mais en fait, les jeux type Godzilla et Ultraman, à chaque fois que je les achète, c'est tellement pourri que j'ai pas testé. Mais là, je dois bien t'avouer, je pensais pas que ce Godzilla était aussi craqué que ça. J'ai pas le droit de changer de perso, j'ai le droit. Bah change si tu veux, j'en fous. Non, change pas du coup. Moi je suis fer. Change pas, il essaye de m'arnaquer, ça me plaît pas beaucoup ça. Mais du coup il a choisi ou pas lui? Oui. Oui, il avait choisi autre chose que le mien. Ah, un saut destiné. Il a choisi, tu as choisi l'hydre classique. Bien sûr. Le serpent. Ouais, il a trouvé des trucs. Je crois quand t'appuies sur les options de déplacement. Moi mon perso c'était ça. Fais-leur en l'air. Oui. Hop, le jump in. Oh oui, le petit balayette au sol. Oh, wow. Oh, il a piétiné. Ah bon. Ah ouais, paf, paf, paf. Ah ouais, par contre, le laser, il garantit les dégâts que ça fait quand ça touche. Ouf. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est ouf, la différence. Hey là. Jump, gars. Oh, je crois que t'avais Jojo là, derrière. Ah ouais. Non, je sais rien. OTG. Oh, j'ai fait la super, mais dans le vent. Ah. Oui, la main. Mais regarde, j'ai la tête là qui touche pas, pourquoi ça. Mais non. Ça, c'est pas bon l'horizon. Oh, ouais, la chope. Là, il faut bourrer quand t'as la chope. Qu'est-ce qu'il faut faire quand t'as la chope? Anti-air. Anti-air projectile. Hein? Peut-être direction ou plus un bouton comme dans les jeux de catch. C'est, bah, j'ai essayé. Après, pour m'extirper, moi j'ai mâché comme pas possible et je suis parti direct, quoi, tu vois. Ah, ouais, j'avoue. Mon OS, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, il a une petite hydre. Oh oui, punaise, j'avoue, mais Godzilla, il a des mouvements et tout. Est-ce qu'il a air dash? Ouah, je viens de faire un nouveau coup spécial. Ouais, fait une petite pièce, là. Voilà, j'invente des choses. Ah, oh, j'avoue, tu casses, le temple de Tokyo. Ah, c'est pas gentil, hein. Ouah. Ouah, voilà. Il a mis deux hits combo. Oh, ça se tape, hein. Ouais, la vache, j'avoue. Tu connais. Oh la dive kick. Oh, il a trouvé la dive kick. Voilà. Oh la barre. Le coup qui gagne. Que ça saute et fait la boule en l'air. Je vais faire la boule en l'air. King Jigoudo là. King Jigoudo là. Ça commence à faire beaucoup d'attaques là d'horizon. Ça suffit. Hein. Tu connais de toute façon, tu connais. Voilà ça. Ça va lui couper les ailes. Oh, si, ça touche quand même. On tombe quand même bien dessus là. Ah. Ah, ça joue bien les pojos. C'est hein. Technique. Hein. Oh, wow, oui, il y a tellement de main game aussi. Hey, oh, dommage le 2-in-1. Ah, en l'air. Il connaît, voilà, au sol. Bien vu, au sol. Voilà, au sol, Emilio. Oh, ça touchait. Et là, il retombe dessus. Oh, la barre. Oh, la barre. Je peux rien faire là. Son truc est trop. C'est trop craqué. Oh, la vache, punaise. Oh, bien joué. Bien joué, vite fait. Au moins, il a trouvé un truc. La petite dive qui a fait foutre un pion. Ah bon, c'est le talent, les gars. Les coups spéciaux. C'est car avant, c'est des cars. Hein. C'est vraiment classique. Des cars. C'est classique de chez classique. Je vais prendre le Gauthier. Hein. Ce jour, il a dosé. Tout ça, moi. L'abeille cool. C'est toi, tu choisis? Non, je choisis plus. Ah. L'abeille, j'ai confiance. Hein. On dit que c'est invincible le perso que t'as pris. Hein. Il est invincible. Ah bon? Ouais. Celui que j'ai pris moi? Ouais. Waouh! Ouais, déjà. Ouais, il est où? Mais... Oh, il est en train de le piétiner! Le piétiner! Le piétinage! Mais. En plus, il a l'air difficile à toucher, dis donc. Faut faire des dives, c'est sûr. Tu joues Mogula, c'est ça? Ouais, il vole! Ah bon? C'est quoi ce truc? Arrête! Comment il s'appelle ton perso? Je sais pas, je le mobilise là. Mecha Godzilla 2. Putain, j'ai un entier. C'est bon, j'ai l'entier. Ah oui, c'est bon. Oui, punish. Megalom. Toi, si tu joues Mothra, c'est ça? Ouais. Incroyable. Oh oui! Oh oui! Mothra, tu as avant attaque. Tu peux multiplier, tu tapes plusieurs fois, tu sais, il a les mille mains.
Ah bah oui, il a bien les 1000 mains. Tu as les 1000 mains, t'as un quart avant attaque. Mais c'est quoi les boutons? Ah, oh là là. Là, t'as ces deux attaques, attaque faible, attaque forte. Attaque faible, attaque forte, et ça c'est la chose. C'est comme ça. Okay. Et l'autre c'est King Shidou. Ouais. Donc t'as un quart arrière, un quart avant, avant, et multiple fois ça les chats. Ça vérifie les commandes. Avec les coups d'attaque. Ça check. Non mais... Nous jouons au talent, et ça passe. Nous jouons au talent, hein. Et tu as... Oh là là, Zoning. Ah ouais. Ouais, il a pouvoir... Ah oui, non mais non. Oh what. Ah, j'ai les papillons de lumière, là. Oh mais il y a des coups spéciaux, mais mon gars, c'est lunaire, hein, dans le jeu, hein. C'est... Ah. Abusé. Mais là, t'es dans mes papillons, là. Ah ouais. Ah là, je peux plus lui tirer dessus. Waouh, vas-y, tue-le. Incroyable. Ah, il est tellement god tir. Ah ouais, mais ça, c'est... Waouh. Il peut pas tirer dessus, hein. Oh la dinguerie. Et là, il peut plus tirer. Let's go. Il peut quand même taper. Oh mais le mind game. Hop. Il l'a tout en OS, hein. Ah, j'avoue, il a des entières quand même, l'Hydra. Elle est là. Là, le papillon, c'est le papillon. Godzilla, il a eu du mal à le battre, hein. Dans la vraie vie. Oh, ah, par contre, j'avoue, les dive kicks sont quand même vraiment violentes, hein. Après, t'as les 1000 mains, je sais pas si tu sais t'en servir, mais bon. Ah. Peut-être si tu bourres un bouton, genre le light, ça va faire des 1000 mains, je pense. Voilà, tu vois. C'est ça, ça n'attaque pas. Après, t'as car avant, car arrière. Hein. Oh la vache, putain, mais tu fais trop mal. Voilà, oh, t'as vu. Non, pas comme ça. Oh putain. Ah oui. C'est arrivé à faire game. Oh, ça c'est toi, c'est ton tatsu, oh, ouais. Ça. Il reste 3 secondes. Il reste 3 secondes. Une seconde. Mets la garde. Une seconde. Oh, la oh, gratte encore. Oh, oh là là. Bien joué, tonton, dommage. Oh, le perso. Oh, time over en plus. Ah ouais. Le perso a l'air très intéressant. Ouais, il y a. Ah, c'est trop con, déposé, putain. Le talent. Le talent, mais il était un peu comme ça à la fin. Vas-y, je veux jouer ma vie, hein, j'ai envie de rejouer. Bah, allez, on joue qu'à ça. Et... Ouais. Ah, meilleur jeu. Faut que je maîtrise là. Le perso. Oh la vache. T'as la garantie du Mosra. Bon, on tire un nouveau jeu. Ouais, bah bien sûr. Bah, là, vous êtes bien devant. Oui. Ouais. Bien sûr. On veut d'autres matchs. Bon, allez, on offre un dernier match pour le plaisir. Tonton contre Pape. Allez, juste pour le plaisir. Ah, parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. Non, mais c'est Noël. C'est un jeu plaisir, on fait plaisir. Hein, je pense. Tu prends mon perso ou pas? Non, vas-y, on va changer. Hein. Mais par contre, lui, il a pas changé. Hein. C'est aucun embrouille. Bizarrement. On est là pour masteriser. On va prendre, allez, on vous offre un dernier match parce que c'était beau. On vous offre un dernier match. C'est Noël. C'est Noël laïque. Noël laïque, bien sûr. Toujours. Ah, mais vaut mieux peut-être jouer avec le stick, non? Ah ouais, je vais C'est possible. 3, hein. Ah, le Godzilla originel, on va essayer. Hein. Ah ouais. C'est car avant, car arrière, quoi. Oui, bah c'est. Wouah, wow, c'est ridicule. Ouais, c'est... Oh, il y a des mines. Ok, d'accord. Oh, cet petit oiseau. Le petit oiseau. Oh, il a l'air intestable Godzilla... en vrai, ce perso. Ah, c'est parce que je suis maintenir en fait. Godzilla, il a car avant, car arrière. Attends, on va tester car arrière. Il a saut bas arrière attaque. Ouais, tout à l'heure j'ai fait un. Ouais, j'ai plus touché pas avec. Un machin là, comment ça s'appelle Il a un avant, bas avant attaque. Impossible à faire. Ok. Attends, on va tenter le prochain. J'ai fait tout à l'heure un laser en l'air si je le touche invincible. Oh, ça a l'air violent ce que t'as envoyé là. Bah ouais, mais faut le toucher, c'est ça le problème. Attends, on va retenter un. Oh la vache, la lenteur du truc. Laisse tomber. On tape. Par contre, il y a une vraie distance, hein, Godzilla de queue là. Ça touche. Ultra laser. Ridicule. C'est tout pourri. Alors je pense qu'il faut que tu tentes, voilà, les carrières ou les trucs. Finalement, pourquoi jouer à d'autres jeux? Caravan. Pourquoi c'est Baldur's Gate 3 qui gagne le jeu de l'année quand il y a ça? Bah alors, teste appuyer plusieurs fois sur le bouton. T'as essayé les mille mains? En mode mille mains, ouais. Et fais les mille mains. Les mille mains, c'est un coup spécial. Hein. Donc oui, fais les mains. On va tenter d'autres cartes. Ah oui, je crois que j'ai un truc comme Faut ça. Vraiment que tu bourmentes. Hein. Et ça, c'est le gros coup. Voilà, ouais. Tu vois. Genre, bourmente le petit, à mon avis, ça sera plus simple. Voilà, tu vois. Regarde, t'as vu. Hop. On tape, hein. Bon, ça fait pas vraiment un laser, mais... Oh là, sinon tout à l'heure j'ai fait un laser, je sais pas comment. Fait avant voilà. Attaque. Avant c'est attaque, arrière, okay, avant, ça, c'est avant, bon. Ouais. C'est avant attaque à tous les coups. Ouais, c'est ça, ouais. avant attaque. D'accord. Ah bah. Oh, je peux charger les gars. Doskoïevski. Oh wa. Putain, mais cette attaque là, elle est tellement sans sens. Mais si tu mets le nuage sur lui, à mon avis, par contre, peut-être que toi t'envoies ton laser et il se passe un truc. Ouais, oh là là. En plus, ça me fait. Oh là là. C'est des trappes et attends, mais il y a des setups de malade.
payer. Non, mais je vais acheter le jeu tout de suite, hein. C'est un gros manque à ma collection. Hein. Ah, moi je l'ai, hein. Oh là là là. Tu l'as looté dans Hunters d'ailleurs. Saison 1. Oh, mais je suis sûr que c'est un truc à 100 yens en plus, donc c'est facile. Non, 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 il coûte cher. Ah ouais cher. Ouais, les gens sont au courant. Oh là là. Bah, je l'avais j'en peux plus du domaine du rétro. 1800 ou un truc comme oh ça. Oh là là. Ouais, enfin, ça fait 12 balles, hein, c'est pas non plus. Oh, ça te déglingue. Ouais, cher. Ouais, ouais. J'ai pris le coup, il fait. Hé, ah bon. C'est bon là, bon. Je maîtrise le perso là. Hein. C'est, ça j'ai un mot train en short. Hein. Oh punaise, il est trop j'achète stylé. La figurine. En plus, c'est les bonnes figurines là, sur ce genre de truc. Au Japon, c'est genre 8000 yens. Ouais, les trucs pour bien sûr. 120 000 ouais, yens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, en plastique sûr, dégueulasse. Ouais, en plastique slime. De l'époque là et tout. Les trucs. Les vintage, bah, c'est vintage. C'est vintage, c'est vinyle. Et alors, les gens nous demandent, on reveut Bastard. Non, bon, on va pas faire non, ça. Mais s'il vous plaît. Ouais, bon. Bon, il y a 2-0 là, donc donnez-nous un jeu, on gagne là. Ah, c'est parti. Après le Octonoken, c'était pas celui qui est fait justement par Axis Octonoken, c'est ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah non, c'est pas celui-là. Soit c'est le pas 5, celui-là. Soit le 7. Ah, Butoden. Oh, Butoden. Ah, bah. Ah, Butoden, je te laisse commencer, tonton, t'es meilleur. Butoden, je sais pas comment on le met, moi. Dorizon, on va le mettre. Ça me suit. Non, 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 je peux le mettre. Butoden, tu sais, t'as un meilleur perso. Oui. C'est quoi? Ça dit pas. Ça dit pas. Ça, il faut connaître. C'est le privilège des anciens. Ah bah ça. Anciens et aussi des connards comme à l'époque, hein, qui partageaient rien parce qu'ils voulaient gagner. Oui, voilà. Ça, mais c'est aujourd'hui, la... c'est le cas encore. Hein, ah, ouais. Pas... ah ouais, ouais, ouais. Non, mais à l'époque, c'était pire. Hein. À l'époque, ouais, c'était pire parce qu'avant, il n'y avait pas trop Internet. Bah oui, il n'y avait pas YouTube et pas Internet. Là, un gars, il veut pas dire un truc. Tu et on met la version France YouTube, avec les textes bon. France. Ouais, c'est ça. On met la version française. Ça change rien. Super Butou. Super Butou. Ah bon. Ça change rien. Hola Goku, let's go. Butoden, Sangoku. Sangoku, mystérieux, Sangoku. Garçon qui combat depuis l'enfance. Moi l'intrade elle est quali, hein. Sangoku, hein. Incroyable. Une fois, il a même battu Satan, prince des ténèbres. Ténèbres. Une fois, c'était un belge, non? C'est bizarre. Ah bon. Salam hein, aux frères belges, Goku devra affronter Satan au championnat. C'est pas le bon Satan, ça. Satan. Si, c'est lui. C'est le Satan de la version française. Oh, je te louperai pas. Moi, j'y jouais quand j'étais genre tout petit je à Butoden et c'était pas fun. Hein. Il manque de trois mots. Et ouais, motivé. C'est ça. Je te ferai. Avec les meilleurs Kamehameha du monde entier. Dragon Ball Z, Butoden. Super Butoden. Mais tu rigoles, mais combat. Au début... Enfin, quand il est sorti en boutique d'import, il valait une fortune, mais on bavait devant. On en ouais, de plus, fou, hein. De fou. Hein. Je le moi, j'étais chez, on allait chez des potes, on était super contents, mais bon, le jeu. Après, il y a Satan dans le jeu, regardez. Ouais, il y a des persos cachés aussi. Hein, oh, le docteur Gero quand même. Vas-y, on va prendre. Ah ouais, mais c'est pas le sel perfect. On va prendre C16. Moi je prends le sel quand même. Allez, hein. Bizarrement. Mais moi je prends sel, hein. J'annonce tout de suite. Hein. Bizarrement il prend on sel connaît, quand même. Bizarrement ça prend et quand même sel. Et toi devenir parfait, je suis obligé de me battre. Ça fout les boules. Let's go, c'est moi sel. Hop, hop, moi, et voilà, c'est gagné. 690 francs. Boule va voilà. Ouais, et voilà. Fini. Et voilà. C'est voilà. Fini. Voilà. Terminé. Merci d'avoir participé à l'émission. Ah ouais, j'essaie d'appuyer. Ouais. Ah, il bien, a hein. Les bah, c'est, un, voilà. C'est un peu Grand Blue Rising, la dash attack. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le même. Hein. Voilà. Qui est positif. Là, ouais, moi, mon gameplay, c'est juste à une main. Moi, mon gameplay, il a une main. Mais fais un truc. Moi, il a, bah, y a rien à faire. Tu vois, moi, quand j'appuie là-dessus, ça fait rien. Quand j'appuie, ça fait rien. La partie est terminée. Il y a juste un bouton où j'ai le droit de taper. Les gens te disent mais le problème, voilà. Non, non, ouais, si tu appuies, tu perds l'énergie. Hein. Voilà, par ça. Contre, ça te charge ta barre de super à fond. Mais... Bah, c'est déjà ça, hein. Mais je sais même pas. Tu super. Veux pas faire des guards carrière avant. Carrière avant. Faire des guards cancel. Carrière avant le A de la. Je crois qu'il y a rien à faire. On s'est tenté. Guard cancel. Ah ouais. Ah bah c'est Mythi parfait. Hein. Ah bah ouais, Mythi parfait. Hein. On essaie de tenter des trucs. C'est un grand jeu. Ah, ceux qui savent, savent. Lui, il fait sur un bouton. C'est quand même terrible, hein. Tellement de la merde! Burst, il dit Psyburst. Eh ben, c'est bien, ça donne envie non, mais aux tu gens peux, de tu... jouer quoi. Ouais, allez, ça. Non, mais ah, moi, je l'ai mis, y a moyen de sortir, mais juste on le dit pas et comme ça on gagne tout le temps. Ah bon? Bah oui, c'est la base. Ah non, bon. Mais Psy d'Horizon, c'est son travail, comme il a un PC devant lui, il irait chercher ça sur internet. Mais non, évidemment, non, triche pas. Bah y'a pas de triche, c'est pas de la triche. C'est de la. Alors après, vous êtes obligé de tricher alors qu'on a 2-0. Ah, moi je dis ça. On triche pas, nous. Vas-y, tu le fais, il m'énerve parce que. C'est un peu.
tu le fais, il m'a énervé. Là, il m'a énervé. Là, tu, je... tu le là, tues fait. Moi, j'ai juste tu, la, tu la le tues avec un Kamehameha au fond, et ensuite, après, tu colles Rachid et on prend les points. Moi, il n'y a pas de souci. Parce que comme Ken le dit, la garde, c'est arrière. Moi, j'ai juste attendre. Voilà, fais le Kamehameha. Ah, il t'a même pas laissé. C'est terrible quand même. Fais-la super. Non, mais il sait pas. Fais carrière avant, un ou demi avant. Alors, Ken Gall, je vais être aussi. Ah oui, il faut que je sois de l'autre côté. Dash attaque dans le doute. Et moi, j'ai juste la même bagarre. Moi, j'attends. Vas-y. Et là, tu l'as. Ah, oui, il a le temps. Bah oui, normalement, oui. Vas-y, c'est bon. Merde. Mais ça marche pas. Tu le fais de la manip au moment où il arrive sur ta gueule. Ouais, le truc qui a jamais marché. Ouais, quoi. C'est ça. C'est bon, ça a pas fait mal. Ah, c'est bon, on va les tuer. T'as si pire comme ça, non, pas comme ça. Voilà, moi je call Rash Kid quand même. Si jamais. Refais-le. Oh non, la garde, c'est bon, j'ai la garde. Mais y'a pas le temps. C'est infini mais et y'a pas de chance. Oui non, mais j'avais l'avantage à la vie. Non, Pépin, il est pas mort. Ah non, il est pas mort. Okay, j'attends. On peut choper, c'est comment la chope déjà? C'est quel bouton? Et c'est toi qui connais, hein. C'est vrai que c'est ton jeu qui a raté. Bah, le problème, c'est qu'on a, on a appris que la dash attaque dans ce jeu, nous. Donc, c'est compliqué. Mais un coup, tu. Bah ouais, mais j'y arrive pas. Vas-y. C'est bon. Voilà. Rayon laser de Dorothée. De toute façon, ouais, mais... GG, tonton, tu as voulu jouer faire et il t'a sali. En fait, il n'y a pas de temps, donc j'étais là jusqu'à demain matin, en fait. Ouais. C'était cuit à l'avance. Ouais, à l'avance, ouais, j'ai juste appuyé sur arrière, tu m'étonnes. Mais non, mais c'est qu'il n'y a pas de temps. Philos manette. C'est qu'il n'y a pas de temps. À tout, R de la mort, il avait marqué. On va se battre. Attends, on va changer. Non. Est-ce que ça rage un peu? Il paraît que c'est God Tier. On va se battre. Vas-y, on va prendre. On va faire le combat du lore alors. On va se battre. Attends, comment on fait? Tu vas te calmer tout de suite, toi. C'est bon. Voilà, merci. J'ai appuyé sur un bouton, alors fallait on pas. On m'a obligé à jouer faire. Bon, t'es obligé comme à jouer faire. Je suis ému. Ça veut tellement rien dire. Je rougis devant tellement de puissance, Satan. Tellement de la merde. Oh là là. Ah, c'est pas ouf, hein. Tu sais, t'as arrière-avant-arrière. Fais tes super comme ça. Oh oui, fais direct. Oh, Genki Dama. Ah non, alors peut-être. Bah ouais, mais là, ouais, ça va être chaud. Genki Dama, ça va être chaud quand même. Pied, un truc comme ça, fais des combinaisons. Ouais, mais on essaye. Bam. Ah, mais avec les coups. Genki Dama. Mais tu sais, y'a d'autres boutons pour toi. Ouais, mais je teste des trucs, laisse-moi. T'as pas de ki, hein, je sais pas pourquoi t'es parti. Ok. Ouais, quand tu es loin, vas-y, balance la super. En fait, je me souviens plus comment on charge le ki. Hop. Tu peux faire demi-avant aussi pour la super. Non, c'est pas le. Demi-avant, mais c'est le Genki. Car arrière avant ou demi-avant, en fait. Car arrière avant, ok, bah là, je suis en train de faire le Genki Dama. Comment j'aurais dit. Oh. Ok. On va faire car arrière avant, d'accord. Ah, je suis tellement loin, c'est abusé. Ils étaient bien les jeux quand même à l'époque. Hein. Ah ouais, ouais. Oh là là, allez. Déjà, je m'en vais. Après, on va tenter mais ça. Il n'y a pas de temps. Voilà. On a tenté, hein. Il est invincible. Le meilleur Genki Dama. J'ai tout essayé pour contrer, mais j'ai pas de ki et je ne sais pas comment charger mon ki. Ça m'énerve. Attention, les dégâts ou pas? La garde. Là, il va complètement manger. Hein. Aïe. Oh, les dégâts! Ça fait mal, hein, pour pas grand chose. Finis-le à la main, comme on dit. Putain, c'est abusé quand je tape dans la garde, je charge sa barre. Bah ouais, c'est ça le problème. Ah, c'est trop bien! Comme ça, moi j'ai juste un. Oh, le saut! Ce jump pin! Carrière en l'air. Peut-être ou carrément. Il y avait des histoires de avant-arrière-avant-pied. Ok, j'ai tenté. Ouais, avant-arrière-avant-pied, avant-avant. Mais ça, les coups normaux, papa, hein, peut-être. Impossible. Ouais, mais le c'est bon, j'ai pu inverser les positions et je me casse. Les coups normaux, tu fais des coups normaux aussi, hein. Ah oui, bah attends. Bah, mais ils sortent pas en fait. Comment ça, ils sortent pas? Bah, j'appuie sur les boutons, hein. Bah, déjà, je suis en garde, donc parce déjà, c'est un peu compliqué. Parce que t'es en garde. Mais y'a la chope dans ce jeu. Là, c'est bon. Oui, hop, c'est bon, j'ai inversé. On s'en bat. Ouais, finis-le en super. Non, avec Genki Dama, c'est pas ça. Tu l'as la main, il appuie beaucoup. Tu l'as la main avec des coups normaux. Oh, c'est touché. En zoning, tu zones avec ton pied. Non, c'est que celle qui a une chope, je crois, en dash. Comment tu charges la putain de barre de vie de ce jeu? Comment tu charges ta super, putain? C'est demi-arrière avant ou je sais pas quoi, c'est. Ah, dommage. Vas-y, voilà, tu peux faire. Je vais juste charger mon ki en fait. Là, tu l'as, t'en as. Meilleur depuis du jeu. T'as pas besoin de charger, t'en as là. Attends, il y a une boule. Fais juste le Makoko. J'ai une petite dama, on le charge. Demi-arrière avant ou. Voilà, c'est ça. Fais demi-cercle là. Bourre, demi-cercle avant avec le bouton. Bourre. Makenko Sampo. Ouais, mais touche pas le Makenko Sampo, wesh, c'est quoi ce. Jamais il le fait. Ah, dommage. Bourre. Non, mais ça fait rien. Ouah. Pourquoi il prend 0 dégâts? Non. Bah, parce que c'est le héros. Ah, c'est voilà. On utilise la technique du stick. Hey, vas-y, refais des demi-cercles.
Boulette, ouais. On va le toucher au Val, va l'exploser au corps à corps. Il faut que tu relances boulette. Une barre, faut que tu relances une puissance. Ouais. C'est le premier qui tire qui a gagné, c'est le premier qui tire qui a gagné. Fais un demi-cercle, fais un demi-cercle. Ouais, mais j'ai pas de super. Mais c'est pas grave. Ah, ça passe quand même. Mais oui. Tu peux. Ah, on va le gratter, on va le. Non, non, non. Bouge pas. Vas-y. Oh non, il a fait en premier. J'ai bien vu, merci tonton. Il avait en premier. Ah, qu'écrase un pont. Ah là, faut que tu fasses. Vas-y, je suis prêt à bourrer. C'est gagné. Aïe. Comment est-ce qu'on charge son ki, ça rend fou? Bah, il faut taper dans la garde. Mais c'est moi qui gagne, du coup. Quelle honte de ramer. Ça veut rien dire. C'est quoi cette honte de ramer? Quelle honte de ramer. Qu'est-ce que c'est? Quelle honte de ramer. Celui-là, il sait que le jeu, il rame. Mais non, mais... Et, VG, en fait, je prends VG. Piccolo, c'est Satan petit cœur. Et Hercule Satan, c'est un autre perso. Exactement. Ah ouais, direct. Ah bon. Non, mais prends pas celle. Ah bah, trop tard, il a choisi. Hein. Bah non, mais on peut déchoisir, ça, c'est pas grave. Ah non. Prends pas celle. Moi, tu prends celle. Bah, c'est pas interdit. Ah d'accord, moi, on m'a interdit. Bah non, t'as pas interdit, tu l'as pris. Ouais, mais après, non, t'as mais perdu, après, c'est pas mal. On m'a interdit de jouer. C'est interdit de ramer. Mais sinon, on était là jusqu'à demain, tu bourrais la garde. Je fais quoi? Comment on va dans les airs? Y'a pas de temps en fait, y'a pas de temps et je menais moi. Parfait, ah ouais. Tu sais pas faire la chope-spé. Oh ouais. Toi qui sais pas faire la chope-spé, t'es invincible. Oh ça. Oh ouais. Oh ouais. Ah oui. Oh ça. Ça a, oh, ça a touché, mais non. Alors ouais. Peut-être. Plus de vie. J'appuie sur les boutons. Oh là, je suis. Mais comment? Comment? Va dans les airs. Comment on va dans les airs? J'aimerais bien, je me souviens plus comment on fait. Bah, c'est elle ou R là? Bah, non, pas du tout. Ah non? Peut-être vers le haut, peut-être vers le haut, tu diriges vers le haut, tu appuies sur le bouton peut-être. Ah, peut-être, voilà. Plus un bouton alors, sinon non. Vas-y, je vais essayer. Maquel coup d'appoint! Ah, c'est le combat là, quand il fait semblant d'avoir perdu un bras et il repousse après. Ah ouais. Oh ya. Il a un peu pris. Ça a touché? Putain. Voilà, il y a une sorte mais de... c'est un truc de fou. Comment on va dans les airs? Ah, je sais pas. Oh, là, oui là. Fais le reversal, hein. On compte sur toi. Oh ouais. Oh, j'essaye, j'essaye. Ah ouais, je le sens bien. Ils sont même pas sur le même plan, le Kamehameha touche quand même. Il est bien le jeu, hein. Bah, ouais. Oh oui. Dans le suivant, ils ont fait une anime où ils tirent en diagonale. Ah, bon, c'est déjà ça. C'était quand même plus réaliste. Parce que c'est la vraie vie, quand même, Dragon Ball. Ouais, et c'est bon, il a chargé ton ki, tu peux y aller. Bien vu ça. Tu connais. Ah, quelque chose à prendre! Est-ce qu'il va réussir? Souviens-toi. Tu seras la honte de la cour d'école si tu rates. Hein. Voilà, chais. Ouais. Refais direct. La boule? Pas le temps avec la boule. Refais direct. Voilà. Ah, quelque chose à prendre! En fait, on refait un. Trouver le bon timing, c'est une dinguerie. Ma coco sempo. La 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 la. Oh waouh. Vas-y, refais. Je peux pas, j'ai pas assez. Ouais. Ah. Voilà, prends des coups en garde. Oh waouh. Ah ouais, tu peux le tuer là. Tu peux le tuer. Ouais, pas non, mal. Non, faut pas chercher. Pas mal. Il met sa garde. Et là, tu connais. Mais raté. C'est pas grave, elle est auto-lock celle-là. Aïe. Allez, ton vieux sel pourri là. Poubelle, comme ça, comme ça le sel. Comme ça. Aïe. Allez. Je suis le perfect sel. Voilà, va ramer là. Attends, qu'est-ce qu'il va dire? Bouge pas. Tu es mal tombé. Putain, ça envoyait du lourd. Ah waouh. Oh, le clash de fou. Oh là là, direct dans le chat. Ça Twitter. Moi qui avais pas Twitter à l'époque. Mon atout, c'est le Macanco. Ça aurait été 10 000 j'aime sur Twitter et plein de retweets. Hein. Oh, c'était mon atout, le Macanco. Le sel parfait. Magnifique, ce nice. Satan petit cœur. Il est là, hein. Rien à dire. Il est là. Mais ça a pris le Gauthier, mais ça a tout le temps perdu. Il a une shop spé, en fait. Le sel, ouais. C'est ça qui le rend craqué, parce qu'il te met le truc à plus, à l'infini. L'heure du jeu bonus, ça tombe bien. Ah, déjà. Ah. Je vais vous Je sais plus comment on fait la shop spé avec sel poivre. Putain, mais il faut déjà qu'on gagne, quoi. Le petit sel. Bah, en fait, là, demain, honnêtement, tout peut encore arriver. Michel hein. En sel. On a reconnu Michel en sel. Michel en perfect sel. Oh là là, tu sais trop où tu vas, toi, en fait. Oh non.
Alors, oui, pourquoi la version française? Si, c'est la version française avec les noms en français. C'est la première, c'est pas Arbattle. C'est la première version française avec Adeline. Je vois très bien, je vois très bien. Ah ouais, ça a l'air bien. À part nous de ces jeux, Ken. Eh bien. C'est celle où il faut sauter avec un bouton. C'est ou... ouais, c'est ça. C'est Mansa qui faisait les jeux avec un bouton. Qui craquait des Ranma, mais je sais jamais. Arbattle, ouais, qui est vraiment très bien. Ah, c'est pas celui-là, ouais. Mais celui-là, c'est un smash. Tu vois, tu sautes avec un bouton, tu fais les coups spéciaux avec un autre. Ah, celui-là, il est pas bien. Mais celui-là, il y a Street. Comment il s'appelle? Street Combat. Tu sais, c'est le même jeu, mais avec un reskin. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a un panda déjà. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il est beaucoup plus stylé. Parce qu'il y a le robot nazi allemand. C'est pas faux. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, c'est un cyborg. Bon, faut que je me souvienne comment on fait. Cyborg allemand nazi qui fait du skateboard. Attendez, on veut voir les noms. Le meilleur design de l'histoire. Ah oui, c'est. On veut voir les noms des persos, c'est important. Ça n'a tellement pas de sens. Ouais, bah non, mais là, c'est les vrais noms. Ah, c'est les vrais noms. Bah pourquoi? Alors, déjà, on m'avait dit c'était. Oh, ok. Ok, c'est ça le bouton sauter. Ouais, il y a un bouton sauter. Oui, il y a un bouton pour sauter, c'est ça qui le rend dégueulasse. Vas-y. Ok. Il va tomber dans le panneau. T'as pris Gemma, toi? Oui, j'ai pris Gemma, ouais. Regarde. Hop. Ah non, c'est j'ai pas un coup, regarde. C'est pas toi qui as pris Panda. Non, pas j'ai du scrolling par là. Oh, le double job. Oh, il a un double job. Ah bon. Ah, t'as double saut? Non. Ah si. Ah bah si, finalement. Finalement, si. Putain, mais par contre, ça pancarte entière là. Bah oui. Oh, il a une chope. Ah bon. Hop. Hop, petite aversion. Oh non, je peux pas. Ah oui, c'est bien ça. Double saut, tu fais. Oh là là, pourquoi il est meilleur entière de tout le jeu. Ah ouais, oh là là là. C'est les footies, c'est les footies. Mais tu peux. T'as pas une boule? Non, il est une. Non, bah j'arrive c'est pas. C'est donc ça, Tekken 8. Tekken 8. Bah ouais, c'est. C'est donc ça, Tekken 8. Oh mince, j'ai trompé de bouton. Il y a Chijon. Ah oui, c'est 5 points ce jeu-là, c'est le jeu bonus. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est 5 points. Ah bon. Genre, je joue d'où, je suis finish. Bah, j'ai gagné. Terrible. Non, c'est un round là. Ouais. C'est un round du coup. Ouais, c'est. Quelque chose saute. Le jeu en vitesse x2, il est cool, ça dit. Là, c'est le vrai jeu donc. Ah, mais en vrai, non, c'est comme un Sam Show. Hein. C'est dans la même idée. Je tape, parce que rien à faire, j'ai raison. Jump in. Il est intestable. Ok, j'ai la mise au sol donc il va falloir que je respecte. Oui, je m'en vais. De toute façon, j'ai un bouton. Oh, regarde ce Zoni, regarde comment il bouge à la jappe là, tu sais, genre webdash. Trop les entières. Regarde ce panda qui bouge. Pourquoi il a pas de bouton? Regarde, juste la pression. Regarde, je mets déjà dans le coin. Oh là là. J'arrive pas. Chaque fois qu'il appuie sur la pancarte, j'ai perdu. Pancarte. Oh, chaque fois qu'il appuie sur la pancarte, j'ai perdu, ça me rend fou. Les footsies. Regarde les coups. Et je vais toujours tenter le panda, parce que c'est le meilleur perso. Ah les gars, vous avez rincé ce jeu à l'époque sur les petites disquettes. Le problème c'est Ranma, il y en a 30 versions, j'arrive jamais à la trouver. Ah là là. Ça fait les vrais aussi, j'ai appuyé sur un bouton. Moi je joue Adeline. Lui il me chauffe. Il est où Roland? Bah c'est lui non Roland. Tu sais, moi il y avait un épisode quand j'étais gamin, il m'a fait hurler de rire. À un moment Roland il est sur l'autoroute, il demande son chemin, on lui dit que c'est tout droit. Il court, et tu sais, l'autoroute, il tourne, mais en fait, il continue tout droit dans la forêt. Oui, j'adore, c'était le meilleur truc. Ouais, on va dire c'est tout droit, il va tout droit. Ils ont repris après avec Zoro, c'est complètement copié. Hop, tout à fait. Bon, je trouve c'est pas. C'est Y que pour sélectionner sur ce jeu. J'ai essayé tous les boutons, ouais. Sauf le Y. Voilà. Moi aussi, j'ai testé, je l'ai. Ah bon. C'est quoi la garde? C'est arrière. Arrière, ouais. Ah bon, c'est pas... Non, c'est pas un bouton. Ah, il y a le stage de Sam Show, hein. Celui-là, non. Bah non, regarde, avec la flotte derrière et les pontons. Ah ouais. En haut à gauche, là. Juste en haut à gauche. Bah c'est pas grave, hein, mais c'est pas grave. Non, c'était pas celui-là. Ah, c'était pas celui-là, mais... Ah, c'était pas celui-là, c'est pas grave. Ouah. Ouah. Ah bon. Alors déjà, ah oui, c'est bon. J'ai ma pancarte, je saute, c'est et je... C'est Kinect, son perso. Boum. Voilà, la pancarte. Zone la pancarte. Ah, là, ça va être tellement dur, je suis désolé, c'est impossible de trouver le jeu, tonton. Tu es tout seul. Saute pas. T'es tout seul, il a une pancarte, donc bonne chance. Saute pas. Ah, c'est violent. Tu vois, je t'avais expliqué, hein. C'est abusé. Putain, c'est dégueulasse. On va essayer de tenter les footsies. Saute pas. Y'a rien à faire. C'est l'entière parfait, ça fait moitié de barre. J'ai pas voulu sauter. Putain, mais ça rend fou. Le panda est garanti. Mais let's pourquoi go. On a toujours pas de chance dans la sélection des persos, ça m'énerve. Oh, non, c'est pas forcément une sélection de perso, hein, ça peut être juste le joueur aussi, regarde. Mec, t'as vu ton coup On sort un dé de notre zizi, ça fait rien du tout. Oh la distancia. J'avais pas la guerre. Distancia. Ça veut rien dire, il est safe, il est touché.
Voilà. Attends, attends, faut le 6 ou pas? Regarde. Hop là. Notre petit dé. Regarde. Non, mais je sais pas. Si, regarde, t'as vu? Bah, je sais pas si c'est un blocable. Bah, c'est juste que. Si, si, ah tu ouais, vois, si tu peux ça, bloquer. Y a pas de garde basse. Attends, ok. C'est juste la garde, quoi. C'est ça. Si tape, il est mort. Ah voilà. Ah, c'est Whiff Punish. Oh là 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 là. C'est impossible, tu vois. Le panda est garanti. Pancarte. Victoire, mon gars. Tu vois, c'est le pire jeu. Je suis désolé, mais là, c'est... Ah, faut pas c'est... tester mes déplacements, je suis trop fort. Putain, mais je crois que j'ai jamais gagné de une seule fois de cette saison de Rage Quit. 7 à 1 Puis, ah, c'est dur. Hein. Bah ouais, c'est dur, tu m'étonnes. Ouais. Ta pancarte, quoi. Moi, j'ai envie d'aller manifester. Ah, il veut direct. J'ai envie d'aller manifester, j'ai jamais trouvé... À part le multipoint, jamais trouvé un seul coup spécial. Waouh, lui il est craqué là. Ah mais le panda il est craqué, hein. Vraiment, t'appuies sur un bouton. Et en fait, quand je te faisais les entières, c'est en fait, je suis appuyé toujours sur le même bouton, mais c'est juste qu'il mettait sur le haut pour sa face entière. C'est une dinguerie. Moi j'étais là, bon, je vais juste appuyer sur ce bouton et puis let's go. Hein. Oh là là, perso, un bouton. Christine Lagarde, c'est arrière. Ah voilà, tu vois, c'est des boutons garde, c'est ce que je disais. Oui. Ah, bah non, moi j'ai fait, moi, j'ai fait garde arrière, mais ouais. Non, 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 regarde, ah là là. Biaisé. De toute façon, ça change rien du tout, frérot. Bah non, mais parce que j'avais pas la garde, tu me disais aussi. Bah tu t'es bien protégé pourtant. Mais je crois que. Y est moins oui, moi j'avais la garde sur arrière, ça marche. Moi je aussi, me protégeais hein. Aussi, non. Ouais, je suis pas sûr. C'est comme Grand Blue, t'as la garde c'est arrière et le bouton garde. T'as mis le saut, le coup sauté quoi. Alors que moi j'ai juste un bouton. Bon, on va arrêter. Un bouton. On va... Je saute. Un bouton. Ah. Attention. Un bouton. Tu vois là, t'avais ta garde. Et là, hop. Mais c'est abusé. Ah, ça c'est là, peut-être le coup qui gagne plus. Ah, c'est l'autre coup qui gagne. Le coup qui gagne plus et qui est battu par l'autre coup qui gagne encore plus. Oh, il va loin. Et un main game je là. Saute. Va là-bas. Moi je dis on joue en deux là. non, là. Oh là là. Ouais, on va. Pas qu'il est invincible, il perdra pas. C'est les mecs qui whiff punish. Oh là là. Mais là t'as vu les vraies distances de frame, oh il connaît toutes les distances. Putain, c'est vraiment voilà. C'est bon, du bah, fleuret. Bah, vous voulez en deux du coup? Bah j'ai gagné. Hein. Katayon. En un round il gagne en deux lui. Franchement, j'ai gagné. Ah, c'est pas fini. Attends, on va continuer. C'était pas fini. Tiens, tu vois, c'est pas fini. Est-ce que tu peux juste lui sauter dessus en mode il t'en tire pas? C'est possible ou pas? Non, c'est impossible. C'est impossible, ouais. Putain, mais le jeu de la garde ultime avec la lenteur. Ce whiff punish. Non, mais regarde. Trop proche pour faire le. Ah, mais c'est quoi le bouton saut en fait je... C'est X. X, ouais. Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est X, ouais, c'est sur un bouton. Truc que je touchais pas, quoi. Oh là là, mais c'est impossible. Intestable. Ah, bon. C'est technique, hein. Oh bah, ouais, super. C'est hein. Comme ça, Mucho, hein. Dans la même idée. Ah, ouais, c'est Samurai Shodan, ouais. Hop, petit pancarte. Hop, oh non, j'ai oh, il a cassé la carte. Mais les dégâts que tu fais comparé à ce qu'il te fait si jamais l'entière, ouais, c'est ça, ouais, ça c'est abusé. Dire. Hop. Ok. T'as mis comment ils ont programmé ça. Abusé. Saute pas. Oh là là. La pancarte. T'as vu les dégâts de la pancarte. Hop, oh non, trop tôt. Allez, enfin. Enfin. T'as vraiment fait 2 hits de pushback safe là. Hop, et là il y a une chope et t'avais peut-être gagné, mais. Hop là voilà. C'est bon, je pense lui il tue. Bravo. Je pense lui il tue. C'est bon, j'ai trouvé à la fin la méta. Son coup de marteau est inanti-érable. C'est juste que des fois je l'ai raté. C'est juste qu'il fait 0 dégâts et que si jamais. Ouais, non, bah, moi, non, je pense lui il gagne, je pense lui il tue. Karaté, Kendoga. Ouais. Défaite donc. C'est une défaite, je n'assume j'aurais pas trop cette lui. Défaite, mais bah. Je dois bien avouer que le jeu que j'ai préféré c'est Godzilla, hein, de très loin. Oui, Godzilla il est craqué. De très jeu. Très loin. En vrai il était bien. Ce jeu là il faut savoir qu'il y en a deux, hein, là celle qui est sortie ouais, en français c'est la deuxième je crois. Il y a une version qui font encore des tournois dessus oui. Là, à chaque fois il y a au ouais, Evo Japan. C'est ça, et il y en a deux, et ensuite après t'as la version... Oui en fait je fais ça, t'as pas d'entière. T'as la version style Kakto classique qui est celle qui s'appelait Art Battle je crois chez nous. Et non, en fait, en gros, c'est qu'il faut que tu fasses genre hyper loin, parce que si tu fais le saut trop proche de moi, tu peux ouais. Faire la pancarte vers le haut. Tu peux fait. Surtout faire shop, parce que direction plus bouton, c'est shop. Tu fais instant. Bah oui, ah ouais, tu fais instant. Instant. Regarde, ça peut taper deux fois. Ah même. Ouais, non, mais ah là t'as gagné. Lui, il gagnait, hein, lui, il gagne, c'est juste que j'ai trouvé à la fin. Tu vois. Hop. Ah ouais, ah ouais si ça je peux pas. Ouf. Ah, t'as vu, tu fais shop à la fin, mais par contre, t'as les dégâts de la shop, abusé. Bon, on va passer. Ouais, pancarte, mine de rien. Ah, j'ai toujours le pouvoir de la pancarte. C'est abusé. Hein. Poc. Regarde le zoning. Pas lâcher.
Non mais d'horizon, fais ta vie, hein, raconte, ouais, c'est ça, raconte ta vie. Raconte ta vie, hein, ouais. T'occupe pas de bon jour, on ben, s'amuse. Hein. Ben oui, mais non, mais j'ai besoin de vous, justement. Oui, alors dis-moi, t'as besoin de moi, pourquoi? On va couper ça. T'es un mister, toi, en plus, t'as trop de chance. Voilà, je pense que lui, il faisait le match paye bien. Hein. Y a moyen de t'as fait la méta, mais il faudrait plus qu'un match, quoi. C'est pour ça. Si cette émission n'était que des jeux rétro, ça se passerait pas comme ça. Ouais, ouais. Mais après, tu mets des vrais jeux, là, pour qu'on s'amuse pas. Karaté, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ce magnifique pull? Ce magnifique pull, oui, bah c'est le pull que vous pouvez retrouver sur la boutique, le Joyeux Noël Laïque. En fait, ça, c'est moi, quand j'avais fait... C'est toi, ça? Ouais, c'est moi. Ah, c'est lui? En fait, c'est toi, l'image qui ressortait. Ça, c'est une vraie temps. Image, c'est pas un photomontage. Non, c'est quand j'avais fait le Père Noël. Exactement. Pour Mattel. Et oui. À l'époque, et que tous les ans, on ressortait cette photo là, yes, sur Gaming Live à chaque fois. Et donc, bah, je me suis dit, on ressort le Gouac pour en faire un t-shirt de Noël. Et le but, c'était qu'il soit dégueulasse, donc j'ai tout mis, hein, les trucs, les... D'ailleurs, le t-shirt, on l'a fait en direct, en live, en stream. Et là, j'ai mis les cadeaux. C'est les cadeaux du Schtroumpfarceur. Merci. Mon main, voilà. Bien sûr, mon main de la vie. Ouais. Krigouac, il y a les sapins, il y a les flocons d'avoine, là, derrière. Non, c'est magnifique. Hein. Et Joyeux Noël Laïque, bien sûr, la laïcité. Avant tout. Qui, voilà, ça fait des années que je dis Joyeux Noël Laïque tous les ans. D'ailleurs, ça fait des milliards d'années. Mais... cette année, la laïcité en plus est re-trendy grâce à notre super gouvernement. D'ailleurs, Macron en a commandé 4. Hein. Ah ouais, alors, faut le savoir, bien sûr. J'ai hâte de voir Brigitte. Oh, ça, c'est les petits trucs. Brigitte, bien sûr. Alors, on en reparlera tout à l'heure, Ken, parce qu'on va avoir pas mal de petites choses à offrir. Mais pas parce qu'il est intéressant, c'est que toi, tu joues avec cette manette pour la faire gagner. Ouais, c'est ça. Celle-là, là. Est-ce qu'il y a le shop, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a le la boîte? Non, pas la boîte, la petite sacoche là. Oui. Alors cette manette, faut savoir que donc c'est la Victrix Pro BF. et voilà. Donc, cette manette, on peut un peu l'acheter partout et c'est un peu c'est un fight pad assez ultime. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus toi tu l'utilises, oui, et tu vas pouvoir nous expliquer un peu les particularités de ce fight pad de chez Victrix. Donc c'est pour PS5, PS4, PC, tu peux y jouer en filière, c'est ça, ou en sans fil en fait. C'est ça, vous pouvez directement les brancher sur différents supports, donc déjà c'est plutôt cool, surtout si vous êtes compétiteur, bah vous pouvez brancher sur PS4 et PS5, donc déjà c'est plutôt cool. Et ce qui veut dire que les pads normaux classiques PlayStation 4, tu peux pas les brancher sur PS5, voilà, notamment pour les jeux de combat, ça dépend des jeux, mais pas pour les jeux de combat en tout voilà, cas. Voilà, c'est ça, avec maintenant les nouveaux jeux qui sortent sur les différentes plateformes, que ce soit Street 6, Tekken 8, Grand Blue, etc., bah voilà, faire les transitions c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que ce genre de manette au moins c'est très pratique, parce qu'au moins tu branches et puis c'est bon, ça fait le café. Derrière du coup vous avez quand même des petites options personnalisation, donc ça c'est la version que j'utilise du coup sur Guilty Gear et Grand Blue, à savoir j'ai juste un D-pad qui tu joues avec ce pad là. Ouais, je joue avec ce pad là, ouais. Ah, ok, ouais. Celui-là, et du coup avec du coup les 4 boutons classiques, sachant que du coup vous pouvez utiliser un petit tournevis pour inverser. Montre-nous. Attends. Tu es obligé de l'inverser, mais tu peux voilà montrer. Vous avez une petite... C'est vendu avec la grosse sacoche, voilà. Dedans t'as le tournevis et t'as des... Oh, et le la tu peux changer les fonds de panel du pad, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous avez différents, du coup, hop, qui sont ici avec les différents D-pads. Et derrière, vous avez surtout ceci qui est le Fight Pad. Et bah, je joue Fight Pad sur Street Fighter 6. C'est plus mieux. Ah d'accord, donc pour Street Fighter 6, tu vas changer, voilà, et ça. Tu vas mettre les 6 boutons au front. C'est ça. Ça pour Guilty, je joue en version de base. Par contre, pour Street, moi je joue avec les 6 boutons. Ouais, parce logique. Que, voilà. Logique. Parce que c'est à 6 boutons sur Street, alors que sur Guilty Grand Blue, c'est plus 4 voire 5 boutons. Donc, et on est d'accord que les boutons, c'est des petits boutons cliquables ultra rapides. Hein. C'est ça, c'est des boutons cliquables, ça, il n'y a pas trop de soucis. Derrière aussi, en parlant de cliquables, justement, certes, il y a des gâchettes, mais vous pouvez activer une petite option derrière auquel les gâchettes deviennent des boutons. Ouais, des boutons, ouais. Voilà, mais moi je les joue en version gâchette classique parce que j'ai l'habitude. Ah d'accord. Voilà, j'ai juste l'habitude de le faire. Et vous avez même aussi des boutons arrière, vous en avez 4 auxquels vous pouvez les binder avec tout et n'importe quoi. Bon, moi je mets rien, moi c'est juste un effet anti-stress entre chaque round. Moi j'appuie beaucoup sur les boutons. Mieux vaut avoir rien. Tu peux les désactiver, on est d'accord. Oui, tu peux les désactiver, ouais, justement. Tu peux les désactiver. Donc là tu vas les désactiver quand tu vas jouer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais sinon, non, vraiment la manette elle est. Tu peux changer la position des sticks. Oui, je peux aussi changer la position des sticks. On peut inverser du coup ici. On peut avoir différents sticks. Un qui est par exemple très petit dans le sac, voire un très très grand du coup.
Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je joue en 10 pas, donc moi, le stick, pour l'instant, ah, bah, je l'utilise absolument pas. Mais au moins ça, c'est assez versatile, c'est quand même, c'est quand même plutôt cool. De toute façon, c'est flou, quoi. Merci. Ah, qui... ouais. bouge pas trop, Guillaume, là, t'es bien, vas-y. Voilà, sinon, non, vraiment, cette manette, elle est très pratique. Moi, je l'utilise surtout parce qu'au moins, le D-pad, il est super agréable parce qu'il y a juste à glisser, il n'y a pas de clic aussi. Ouais. Donc moi, c'est plutôt dans ce côté du... Ah, bah, ouais, j'ai juste à glisser pour faire mes motions et puis let's go. Et puis derrière, bah, le fait que je puisse brancher sur absolument n'importe quoi, bah, pour faire mes tournois, c'est cool. Hein. Que ça soit sur Street 6, sur PC, à l'UFA, ou sur Guilty, sur PS4, ou sur Mortal Kombat, sur PS5, bah, au moins, avec cette manette, bah, je peux l'utiliser sur n'importe quelle plateforme. Donc, yes. Donc ça c'est vraiment... Fais pas Xbox quoi. Je crois qu'en vrai faut tester, mais je crois que quand tu actives la version PC, il y a peut-être moyen que ça soit sur Xbox. Okay. Mais c'est un peut-être. Après faut tester. Moi j'ai pas de console Xbox, donc je peux pas tester. Père comme tout le monde. Ouais, oui, c'est ça. Mais sinon au moins PS4, PS5, PC au moins ça répond très très bien. Sachant qu'aussi du coup vous pouvez la brancher de deux façons, soit de manière classique à base on branche avec un très long câble en plus de ça qui fait plusieurs mètres, donc let's go. Mais sinon aussi vous avez un mode Bluetooth auquel vous pouvez brancher une sorte de clé USB sur la console ou sur le PC et après vous pouvez la connecter en Bluetooth. Tu peux jouer en mode sans fil. Ouais. Voilà, tu peux jouer en mode sans fil. Moi je joue en mode pour les jeux de combat, vaut mieux jouer en fil. Hein, voilà, voilà. Parce qu'au moins il y a le moins d'input lag possible. Mais alors, il faut savoir que la manette, son prix de départ était de 200€, ce qui est un prix très classique pour les fight pads. C'est ça. Mais sur Amazon, la boutique PDP, tu la trouves très souvent à 180. Et on va, je l'espère, pour la reprise de Rage Quit après les vacances, ah, entre guillemets, on aura des promos PDP. Et donc, on pourra vous avoir des petits prix sympas. Les produits Tris, c'est craqué. Hein. Il n'y a pas une version Xbox qui arrive? Alors, si, il y a une version Xbox. Parce qu'en fait, il y a déjà la Victrix sur Xbox, mais ce n'est pas le même modèle. Mais il y a la version exactement ce modèle. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais ce n'est pas l'émission d'aujourd'hui. Mais vous connaissez les sticks arcade Victrix Pro qu'on utilise. Oui. Il va y avoir les sticks, notamment KOF et Tekken. Bah, arrête, ça, sérieux ça. Oui, sérieux non, mais on les aura, mais on en reparlera le moment venu. C'est le moment n'est pas encore venu. Il y aura un stick KOF. Il y a une série de gamme de KOF qui sort avec l'artwork gravé sur le métal du mais stick. Mais arrête, c'est T'as Terry, t'as Kyo, t'as Yori et t'as Shunai. Non. Un peu comme ils ont fait à l'Evo. À l'Evo, t'avais le stand où tu pouvais aller te faire graver. Je vois. Alors, cette manette. Et soit mettre ton artwork, tu leur donnais, ou soit ils te faisaient un. Le stick Terry, là, je suis trop chaud. Alors, comme c'est PDP et que c'est Noël et que Christophe c'est quand même le meilleur des Pères Noël, on va faire gagner tout à l'heure ce jeu. Mais alors, pour gagner, là il faut le mériter, donc ça sera à gagner sur un des jeux. Je vous expliquerai les règles, mais vous pourrez gagner un des jeux, vous pourrez gagner ce magnifique pad. Tout simplement. Let's go. Et d'autres choses, on a plein de trucs à faire gagner, donc il n'y a pas que ça. Voilà. C'est tout. On va faire une petite pause le temps de setup parce qu'on va changer de setup de jeu. Yes. Et on se retrouve après la pause pour jouer contre vous les viewers. Donc si vous avez, on commencera par Grand Blue versus Rising. Donc versus Rising. Versus Fantasy. Mais tu veux vraiment changer de jeu parce que Grand Blue c'est. Godzilla. Non mais au moins Strive. Strive. Et en fait il y a pas mal de gens. Enfin, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui joue contre nous à Grand Blue et Guilty. Le jeu. On n'aura pas besoin de Street 6. Le jeu est gratuit. Si on voit qu'il y a pas grand, si on voit qu'il y a des gens, ils attendent pour jouer à Street 6. C'est bien que tout le monde puisse tenter en fait. Ouais. Donc ça dépend, on verra. Mais en tout cas, il y aura au moins Grand Blue et Glaze Drive. Et donc si vous n'avez pas Grand Blue, n'hésitez pas à le prendre. Il est gratuit, vous avez 8 minutes pour l'installer. Ouais. Et vous avez un grade en 8 minutes. Mais c'est facile, t'as des boutons pour faire les coups spéciaux. Tout à fait. Franchement, tu peux jouer Shoto, t'es invincible. Regarde, Abou, il a bien battu pour la première fois qu'il joue Vampire Savior, un expert comme Monsieur Karaté. Sur un setup arcade parfait. De toute façon, tous les persos ont 4 coups spéciaux et tous les coups spéciaux, c'est les mêmes. Donc c'est pas très compliqué. Hein. Oh la vache. Grand Blue, en fait, c'est une version free edition. Oui, il y a une version de jouer 4 persos gratuits, t'as quasiment tout le jeu, tu joues 4 persos. Et il y a Gran, il y a le Shoto, donc tu t'en fous, tu peux aller le chercher. Versus Rising, hein, prenez bien la version Rising. Steam ou PS Store, quoi. Ouais. Prenez bien la version Rising. Et tu verras, dedans, tu peux choisir, soit t'achètes le jeu, quand tu cliques dessus, soit tu peux choisir Free Edition. Ouais. Donc allez-y, les gars. Non, ça sera pas un tirage au sort, il va falloir nous battre. Ah, let's go. On est parti pour la pub. A tout de suite.